Testing, testing. Good afternoon, ladies and gentlemen. If I could ask you all to take your seats and settle down, we're about. Mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous n'allons pas tarder à commencer nos travaux de l'après-midi. Ladies and gentlemen, welcome to our. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette séance qui porte sur le commerce et l'économie numérique en Afrique. Nous avons des panélistes incroyables avec nous, mais avant de commencer, je vous propose de regarder une vidéo de la sous-secrétaire des vice-secrétaire des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, qui prend la parole depuis New York. Regardons ce qu'elle a à nous dire. Mesdames et messieurs, je remercie l'Union africaine et l'Union africaine d'avoir co-organisé ce dialogue régional essentiel avec la CNUSED. Je voudrais exprimer mon appréciation au gouvernement du Kenya pour avoir accueilli cette conférence essentielle. L'importance de l'économie numérique modifie rapidement notre mode de vie et nos manières de travailler. En Afrique, la population jeune qui croit rapidement la pénétration des technologies mobiles, les innovations technologiques et la prolifération des applications changent de manière très positive le paysage socio-économique du pays, du continent. Les technologies numériques créent de nouveaux marchés, de nouveaux consommateurs, de nouveaux produits. L'e-commerce crée de nouvelles opportunités d'emploi pour l'entrepreneuriat et pour l'investissement. Cela donne une nouvelle forme au modèle économique, modèle dans le monde des affaires, et notamment grâce aux petites et moyennes entreprises. Cela change également de manière radicale les politiques de nos gouvernements et les notions traditionnelles de frontières, de pratiques en matière d'impôts et les définitions des biens et des services. Nous sommes heureux de voir ce progrès advenir, mais nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour surmonter les failles qui existent face à cette économie du numérique. Cette économie continuera à exacerber les inégalités si nous ne travaillons pas à l'accessibilité financière, au renforcement des capacités et à la protection des données. Les technologies numériques ont un immense potentiel et peuvent nous permettre d'atteindre les objectifs de développement durable, à bâtir des économies inclusives et à nous faire respecter nos promesses de ne laisser personne de côté. L'e-commerce et les technologies numériques doivent être inclus dans les efforts en matière de développement, avec le soutien de banques de développement. Et leur soutien sera essentiel. Dans ce cadre, l'initiative e-commerce pour tous de la CNUSED doit faciliter la tâche aux pays en développement. Ils doivent trouver le soutien dont ils ont besoin pour développer cette économie. Il ne nous faut pas oublier également la dimension sexo-spécifique dans ce domaine. Ce domaine peut présenter de grandes opportunités pour les femmes, notamment des femmes entrepreneurs qui peuvent agir dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le renforcement des compétences, en permettant un accès plus important au marché. Le commerce numérique donne également de grandes chances à la jeunesse. Nous devons faire en sorte que l'éducation d'aujourd'hui leur donne les moyens et les compétences nécessaires pour prospérer au sein de cette économie numérique. Mesdames et messieurs,
Les Nations Unies ont hâte de travailler avec l'ensemble d'entre vous pour rendre l'e-commerce et la numérisation une force pour faire le bien en Afrique et au-delà. Je vous souhaite un dialogue très productif. Merci beaucoup. A round of applause. Applaudissons-la, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Thank you. In this afternoon session, we are going to look at trade policies that can be. Nous allons nous intéresser aux politiques en matière d'e-commerce qui peuvent être utilisées pour promouvoir le développement du numérique et l'économie en Afrique. Quelles sont les conditions préalables pour faire en sorte que ce commerce soit bénéfique pour les pays africains, que cela soit inclusif, comment promouvoir des pratiques cohérentes, ce qui est absolument essentiel. Et nous allons également évoquer la zone de libre-échange qui est mise en place à l'échelle du continent africain. Comment cela peut aider? Cela peut-il aider à faire fonctionner l'e-commerce à l'échelle de notre continent? Je suis optimiste, je suis convaincue que tout cela est possible. Permettez-moi de vous présenter nos panélistes. Alors, tout d'abord, le docteur Mukisa Kituyo, secrétaire général de la CNUSED. Applaudissons-le. And right next to me, I have... Juste à côté de moi, Anna Inojosa, directrice de l'organisation douanière mondiale. À ma droite, Béchar Hussein, directeur général de l'Union postale universelle. Seated next to him is Ethel. À côté de lui, Ethel Kofi, PDG d'une entreprise ghanéenne. Et enfin, Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne. To get us started in our discussion, pour lancer notre discussion, permettez-moi de demander au secrétaire général, M. Mukisa Kituyo, permettez-moi de lui demander de faire quelques remarques préliminaires. Excellences, mesdames et messieurs, chers panélistes, bonjour à tous et bienvenue à cette séance. Nous sommes ravis au sein de la CNUSED de travailler avec des partenaires ici en Afrique, l'Union africaine, pour modérer cette séance de la conférence. Nous remercions nos partenaires pour leur coopération et leur soutien, notamment l'Union européenne, le gouvernement allemand et celui du Kenya. Merci d'avoir rendu cette conférence, cette séance possible. Merci d'avoir permis aux gens ici présents de venir depuis leur pays. L'e-commerce s'est développé de manière très importante. En 2016, près de 25 billions de dollars était donc le montant auquel correspondait l'économie numérique à l'échelle mondiale. Mais l'e-commerce transfrontalier subit toujours de nombreuses contraintes. Par exemple, le lien entre l'entrepreneur et le consommateur. Plus de des montants extrêmement importants correspondent aux échanges de ce type. Beaucoup d'achats se font sur des sites internet. À mesure que les pays se développent, essaient d'optimiser les différentes possibilités qui sont rattachées à ce nouveau phénomène. Il est particulièrement clair que l'e-commerce et l'économie numérique ne sont pas des choses qui se sont mises en place par hasard. Il s'agit d'actions organisées avec un certain objectif et il faut agir pour organiser l'e-commerce. Au moment où nous avons signé l'accord de libre-échange continental africain, nous avons compris que le potentiel du commerce, et notamment du commerce de services en Afrique, doit pouvoir se faire grâce à des normes minimum définies. De la même manière, des gouvernements doivent investir dans des bonnes compétences, des compétences qui correspondent de manière appropriée à ce que demande l'économie numérique. Il nous faut des cadres législatifs pour protéger les utilisateurs, les usagers, les données, mais protéger également l'intégrité des systèmes de paiement. Il nous faut des infrastructures fiscales mises en place par des gouvernements pour faire en sorte que les transactions électroniques soient suivies d'une logistique qui permette de réaliser ces transactions de manière sûre. Il nous faut des engagements intergouvernementaux pour débloquer tout le potentiel de l'e-commerce. Alors,
le panel de haut niveau qui a été lancé par le secrétaire du au commerce, ce qui a été mis en place par le G20, sous la présidence, ensuite ce qui a été fait sous la présidence de l'Argentine grâce au soutien de la CNUSED. Il existe un certain nombre de phénomènes très importants. Il existe un programme numérique pour le développement au sein de l'Union européenne. L'objectif est de définir les bonnes manières d'agir. Cela tombe à point. Il nous faut commencer à mettre en place un élan pour prôner des politiques favorables, une implication de chacun, des actions. Et aucun gouvernement ne pourra se permettre d'être laissé de côté. Je voudrais vous donner un exemple qui a été évoqué lors de l'Assemblée générale. On parle beaucoup d'inclusion numérique et on dit souvent « nous n'avons pas les bonnes infrastructures pour permettre à chacun de participer, nous n'avons pas d'électricité dans nos pays, laissez-nous d'abord construire des lignes électriques ». Et je leur donne l'exemple du Kenya. Il y a 4 ans, le président du Kenya a annoncé une nouvelle orientation politique. Le gouvernement allait fournir un ordinateur portable à chaque enfant qui étudie à l'école primaire au Kenya. À cette époque, seuls 20% de la population kényane avait accès à l'électricité. Et nous nous avons demandé comment vous pouvez-vous fournir des ordinateurs portables sans électricité. Et après une avance rapide pendant 4 ans, non seulement ces ordinateurs sont arrivés, mais 80% des Kényans ont désormais accès à l'électricité. L'envie de se préparer pour l'avenir, l'envie de laisser les gens accéder aux ordinateurs, a fait naître la motivation de donner de l'électricité aux gens. Donc parfois, ces tendances peuvent se nourrir mutuellement. Cela peut constituer cet élan qui permet de développer les infrastructures. Je voudrais vous demander de participer donc à ce dialogue et j'espère beaucoup que nous pourrons tirer profit de votre expérience, de votre vision et interagir pour bâtir une communauté qui continuera à se motiver mutuellement, à améliorer ce qui existe et à agir de manière très pratique pour l'inclusivité en Afrique. Merci beaucoup. Quel exemple passionnant de ce à quoi on peut aboutir en pensant tous ensemble, en cherchant des idées. Permettez-moi de vous informer du fait que Monsieur le Secrétaire Général devra partir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être parmi nous. Et la vice-présidente aura également besoin de partir. Merci beaucoup d'être venu participer en tout cas. Permettez-moi de vous présenter une panéliste qui vient de nous rejoindre, Daniel Anne-Rose, fondateur et PDG de Manobi du Sénégal. Applaudissez-le, oui. Get us started. Andres, let me come to... Andres, permettez-moi de me tourner vers vous. Que nous faut-il en termes de création d'un environnement favorable? Que faut-il mettre en place d'urgence en Afrique pour que l'e-commerce puisse fonctionner en Afrique? Quels éléments sont nécessaires? Merci beaucoup. The switch is on the top. Technology. Okay. There we are. Now Thank it you. Works. Thank you. My first advice is... Alors, mon premier conseil, si je puis me le permettre, serait de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites dans l'Union européenne. Lorsque l'on parle de conditions préalables pour permettre que l'économie numérique fleurisse, que l'e-commerce fleurisse, bien évidemment, il faut évoquer la question de la connectivité et d'accès à prix accessible aux différents réseaux. Dans l'Union européenne, la GSM, la 2G, était une bonne période. L'Union européenne occupait alors une position de leader. Puis la 3G est apparue. Puis on a commencé à demander beaucoup d'argent à différents opérateurs avec la 3G. Et bien évidemment, on obtient davantage d'argent si on définit des critères objectifs, des échéances temporelles. Et les gouvernements étaient plutôt heureux de cette situation, car de grandes sommes d'argent
était alors disponible pour financer des enseignants et des policiers. Puis, on nous a dit, l'Europe est en retard, car les opérateurs n'avaient plus assez d'argent pour investir. Et ces prix étaient limités, le marché était bloqué. Et il n'y avait donc plus aucune urgence à investir. La majorité des États membres de l'Union européenne ont donc entrepris différentes mesures. Des réseaux de nouvelle génération ont commencé à être mis en place. Et des critères très précis ont été définis en matière de couverture, en matière d'échéance, de limite de temps. Et les gouvernements qui ont défini ces critères ne se sont pas mis à gagner moins d'argent, car de nouvelles générations de réseaux sont apparues et les économies ont pu se développer plus vite. Ainsi, la connectivité à prix accessible est donc la première condition nécessaire. Deuxièmement, la confiance. Si chacun ne croit pas, n'a pas confiance dans ces systèmes, cela ne fonctionnera pas. Si on perd sa confiance, cela cessera de fonctionner. Les services numériques impliquent cette confiance, qu'il s'agisse de services publics, d'ailleurs, ou de services privés. Donc la protection des données. Je suis heureux de pouvoir dire que le règlement en matière de protection des données européen est devenu une norme. L'année dernière, plus de 100 différents pays se sont alors inspirés de ce système pour créer leur système de protection des données. Mais les données non protégées continuent à traverser les frontières. La question de la confidentialité des communications, bien évidemment, est un autre problème. En ce qui concerne le marché numérique unique, je suis vice-président chargé du marché numérique unique. Nous pouvons créer des marchés uniques de ce type. Cela fait près de 20 ans que nous l'avons lancé dans l'Union européenne. L'ensemble des États, des peuples, peuvent théoriquement profiter de ce marché, mais je suis désolée d'avoir à dire qu'il y a 4 ans, ces marchés numériques uniques, en pratique, n'existaient quasiment pas dans l'Union européenne. Nous avions 500. Au lieu d'avoir un immense marché avec 500 millions de consommateurs, nous avions 28 petits marchés. Et au niveau mondial, ces 28 petits marchés n'ont qu'une signification. Donc la question de la fragmentation de ce marché est aussi problématique. Les fournisseurs de services étaient confrontés à cette question de la fragmentation. Les entreprises petites ou moyennes, c'était un frein majeur. Il était impossible de comprendre ces 28 règlements différents existants en Europe. C'était bien trop complexe. Et c'est pour cette raison que les start-up, les PME, quittaient souvent l'Europe pour aller aux États-Unis, où il y avait un marché unique, où il y avait 300 millions de consommateurs. Donc c'est un message important à transmettre. Donc les start-up pouvaient rester chez elles ou partir aux États-Unis. Et bien c'est à ce moment-là que nous avons décidé qu'il était temps de créer un marché numérique unique. Et je pense qu'il crée un tel marché pour le continent africain, ça aurait été essentiel. Il faut continuer à travailler dans le cadre de cette zone de libre-échange pour le continent africain. Plus de 70% de ce qui est exporté en Europe va dans les autres États membres. Ce pourcentage est 5 fois plus réduit ici en Afrique. Techniquement, l'Afrique si l'on la compare à la Chine ou à l'Union européenne, connaît toujours une situation complexe en matière de commerce.
Donc un marché numérique unique permettra un développement sur de nombreux plans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter sur cette idée. Un marché numérique unique en Afrique. L'Europe a connu ce processus. L'Afrique a besoin de s'équiper d'un tel marché. Je vais me tourner vers vous et votre expérience. Vous proposez des services de consultants. Quelles opportunités vous offrirez à un marché numérique de ce type ? Et quel appel lanceriez-vous à ceux qui travaillent à cette zone numérique, à cette zone de libre-échange à l'échelle de notre continent ? Merci beaucoup de votre question. Le secteur privé est toujours friand de politiques qui favorisent la suppression de réglementations, la dérégulation. Il y a deux domaines où cette dérégulation constituerait un moteur important pour le développement. Les technologies des finances et les systèmes de paiement sur notre continent. Si l'on considère le continent dans son ensemble, il y a peu d'acteurs en matière de paiement, mais ils sont situés dans 3 à 5 pays. Les systèmes bancaires et les différents règlements qui existent sur notre continent rendent très difficile d'étendre ces systèmes de paiement, de les faire fonctionner à plus grande échelle. Les paiements transfrontaliers sont complexes. Il faudrait pour cela pouvoir intégrer de plus en plus de pays dans ces systèmes. Les taux de change pourraient être plus réduits. Près de 3 à 5% de charges. Chaque paiement entraîne 3 à 5% de charges, de frais. Cela peut ne pas être forcément avantageux par rapport à d'autres systèmes. Donc je pense qu'il est important de se concentrer aussi sur le côté paiement. Ensuite, le libre mouvement des personnes, la liberté de déplacement. Il nous faut coopérer pour faire en sorte que la transformation numérique se fasse de manière efficace. Je travaille dans la région ouest-africaine. C'est un peu plus simple parce que j'habite au Ghana. C'est la région de la CEDEAO, donc. Il est plus simple de travailler, de faire passer un certain nombre de principes à l'échelle d'un pays ou en échelle transfrontalière. En Afrique ou dans notre partie d'Afrique ou sur le reste du continent, il peut être plus facile d'aider les gens à se déplacer grâce à de tels systèmes. Donc, renforcer les capacités sur notre continent me semble donc essentiel. Il s'agirait de renforcer les capacités des fournisseurs dans ce système, notamment matière de système de paiement. Il est effectivement encore très complexe et très coûteux d'utiliser ces systèmes de paiement. Je pense que nous revenons toujours aux mêmes problèmes fondamentaux, encore et encore. Daniel, vous venez du Sénégal et nous voudrions vous faire parler de votre expérience. Dans ce que vous faites, dans votre activité, quel profit tireriez-vous d'une Afrique numérique unique, d'implication de différents partenaires? Quel serait votre message à cet égard? On the top. There we go. Yeah, thank you for the question. Merci beaucoup de cette question. Je pense que si nous souhaitons évoquer les transformations qui seraient nécessaires, il est important de savoir où nous en sommes maintenant pour pouvoir évaluer les transformations qui ont déjà eu lieu. En Afrique, c'est toujours la population rurale qui est majoritaire. Et donc l'agriculture. L'ensemble des tendances semble indiquer qu'au cours des 20-30 prochaines années, de grandes transformations auront lieu. Y a-t-il une possibilité, une chance de transformer l'Afrique grâce à cette numérisation? Il faut pour cela
relever les défis auxquels est confrontée notre économie. Pour nous, et je pense que dans de nombreux pays c'est également le cas, c'est également important, il nous faut nous demander comment utiliser ces technologies pour améliorer la vie des gens, la vie de la majorité de la population de ce continent. Pour cela, il nous faut des technologies, c'est une bonne chose. Nous avons différentes technologies à notre disposition, les technologies mobiles, qui sont parmi les plus abouties. Ce qui a pu être fait dans le secteur des technologies mobiles est à proprement parler unique. Si l'on compare le secteur de l'eau avec le secteur de la mobilité en termes d'efficacité, ce ne sera juste vraiment pas comparable. Donc nous avons ces technologies-là. D'autres apparaissent peu à peu, comme l'intelligence artificielle, comme l'imagerie satellite, comme les chaînes de blocs, comme l'Internet des objets. Donc nous avons beaucoup de technologies à notre disposition. La question, c'est comment les utiliser de manière à améliorer la performance des chaînes de valeur principales pour vraiment transformer l'Afrique. Donc, selon vous, il faut que l'adoption des technologies soit inclusive, n'est-ce pas, et que les technologies soient utilisées pour favoriser le changement en Afrique. Oui, il faut réfléchir à comment améliorer la chaîne de valeur. Voilà ce qui compte. Que l'on agisse sur la base de la pyramide ou tout en haut. Oui, vous parlez des étudiants, des agriculteurs, des dirigeants, tout le monde, n'est-ce pas? Oui, oui, tout le monde. Et ensuite, il faut essayer également d'éviter au maximum les frictions entre, au niveau des transactions entre tout type d'acteurs. Si les choses sont trop compliquées pour les agriculteurs qui souhaitent obtenir des crédits, par exemple, eh bien, ils vont renoncer. Ce sera très négatif. Il faut réfléchir à ce que l'on peut faire, comment l'on peut utiliser les technologies pour leur venir en aide, pour les aider, pour faciliter les échanges entre les agriculteurs et les banques, par exemple. Et il faut réfléchir à comment renforcer le e-commerce en Afrique, car nous avons de très bonnes raisons de vouloir renforcer le e-commerce en Afrique. Nous savons que cela fera la différence sur la qualité de vie des populations. Merci beaucoup. Oui, Hussein, je vais revenir à vous dans un instant, mais avant cela, je voulais revenir à ce que Daniel vient de nous dire sur le développement inclusif dans cette économie numérique. Nous savons fort bien qu'en Afrique, il y a encore beaucoup de disparités, des disparités considérables. Alors, que pouvons-nous faire, que devons-nous faire pour éviter de répéter les mêmes erreurs, pour que tout le monde bénéficie des occasions que présente l'économie numérique ? To me, the driving force for the direction you take is a developmental state. Okay. You have a government which has a sense of purpose and can align all the necessary factors to do things. If you look at what we're enumerating. Il faut voir ce que font les gouvernements. Par exemple, au niveau des gouvernements, il ne faut pas que chaque ministère fasse cavalier seul. Il faut qu'il s'agisse d'efforts déployés conjointement, plus efficacement. Tous les départements, tous les ministères doivent être engagés. Ensuite, je pense à tous ceux qui bénéficient du système, tous ceux qui ont par exemple bénéficié de la libéralisation des télécommunications. Nous savons que les entreprises se sont engagées, nous savons que les ressources nécessaires ont été débloquées. Nous savons que beaucoup d'efforts ont été déployés pour l'Internet à large bande. Maintenant, beaucoup de difficultés ont été surmontées, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus forcément suffisamment de ressources pour continuer dans ce sens. Nous observons également qu'il y a de fortes concentrations de population et que l'on ne peut pas toujours répondre aux besoins des consommateurs. On voit ce qu'il en est de l'accès aux données. Il y a beaucoup de gens laissés pour compte. Et les laissés pour compte ne peuvent pas bénéficier, par exemple, des services fournis par Safaricom.
Donc les choses ont changé depuis quelques années et l'on voit qu'il faut continuer à investir dans les infrastructures et essayer d'intégrer les laissés pour compte parce qu'on ne peut pas compter que sur le marché pour intégrer ces laissés pour compte. Il faut penser à deux choses ici. Prenons par exemple la route entre Mombasa et Kigali. Nous savons que Google et d'autres entreprises multinationales ont fait des propositions pour la Corne de l'Afrique. À partir de 2018, on a constaté que beaucoup de géants des télécommunications avaient décidé d'investir dans la connectivité et pas dans le CSS comme auparavant. Donc on a vu que c'était les gouvernements qui devaient alors s'impliquer davantage. Et comme je l'ai déjà dit, les gouvernements doivent agir en insistant sur la collaboration entre les différents départements et ministères. Il y a bien sûr beaucoup de personnes qui traînent un peu des pieds lorsqu'il s'agit de surmonter des difficultés, mais il faut essayer de les convaincre. Oui, alors comment est-ce qu'on peut les convaincre ou comment essayer de les faire participer? Mais vous avez raison, vous avez raison. Tous les secteurs, transport, éducation, etc., tous les secteurs doivent s'impliquer. Comme pour les transports publics, il faut essayer de subventionner l'accès. C'est bien ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Oui, il s'agit de services d'utilité publique. Il parle d'inclusion ici. C'est exactement comme l'accès à l'eau ou la construction d'une route. Il faut parler ici d'utilité publique. Le gouvernement doit subventionner, doit assumer son rôle. Oui, il doit fournir ce service. Je suis bien d'accord. Maintenant, venons-en à la question des douanes. On a parlé d'une Afrique numérique unique, on a parlé des mouvements transfrontières, des populations, des marchandises. Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez des difficultés et des avantages et relatifs? Merci. Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions à saisir ici. L'e-commerce ne s'est pas autant développé en Afrique qu'il s'est développé ailleurs dans le monde. Il y a donc beaucoup d'opportunités à saisir. Il faut, comme l'a dit le vice-président, éviter de reproduire certaines erreurs. Dans certains domaines, il me semble qu'il serait utile, par exemple pour ce qui concerne les mouvements transfrontières, les mouvements de colis notamment, il me semble qu'il serait utile de voir ce que font les agences à la frontière, les douanes ou d'autres agences responsables. Il me semble qu'il serait intéressant de voir ce qu'elles font, par exemple pour les produits agricoles, les médicaments ou tout autre produit inspecté à la frontière. Parce que lorsque l'on observe de près ce qui se passe aux frontières, on voit que les agences en charge sont souvent dépassées ou submergées par la charge de travail. Et les solutions qu'il faudrait apporter ici sont certainement des solutions numériques. Nous avons collaboré étroitement avec l'Union Postale Universelle, nous avons collaboré avec les opérateurs des postes, avec les services postaux pour automatiser les procédures au niveau des services postaux. Et nous pensons qu'il faudrait faire de même au niveau des douanes. Il faut commencer par une bonne évaluation des risques. J'ai entendu ce qu'ont dit des représentants du secteur privé en la matière. On nous a dit que les agences chargées de ce qui se passe en douane, ils sont en charge de tout ce qui passe en douane, qui transite par la douane, devraient automatiser leurs procédures. On sait qu'il y a beaucoup de retards accusés en douane, un peu partout. Si les administrations des douanes avaient les moyens de le faire, s'ils avaient les moyens d'inspecter tout ce qui passe à la frontière sans accuser trop de retard, eh bien je crois que cela améliorerait considérablement les choses. Il faut qu'il y ait des procédures automatisées pour l'évaluation des risques. Cela permettrait aux douanes d'avoir un meilleur accès aux données, de savoir quels sont les produits qui peuvent transiter en toute sécurité, les marchandises qui peuvent donc transiter rapidement.
Et pour les douanes qui n'auraient pas beaucoup de moyens, de ressources, cela leur faciliterait la tâche puisqu'elles pourraient identifier plus facilement les produits à risque. À l'heure actuelle, où que ce soit dans le monde, il est impossible d'inspecter chaque paquet, chaque colis qui passe par une douane. C'est tout à fait impossible. On utilise des technologies non intrusives, et ce, avec succès, de façon vraiment très efficace. On peut envisager ce genre de technologie. On en a parlé pour les opérateurs des postes. Et je le répète, ce qui compte, c'est de commencer par une bonne évaluation des risques pour bien identifier les colis, les marchandises qui passent en douane et pour automatiser les choses. J'en reste là parce que je sais que vous voulez aborder d'autres points également. Oui, je vais vous donner la parole maintenant, Hussein. Tout ce que nous venons d'entendre est très intéressant. On a parlé des services postaux. Et vous nous avez parlé vous-même ce matin de l'Union Postale Universelle qui a lancé son initiative pour l'Afrique, Ecom Africa. J'aimerais que vous nous disiez de quoi il retourne exactement. J'aimerais que vous nous parliez plus avant de ce système unique de commerce électronique en Afrique. Thank you very much, Julie. Colleagues, first of all, before I just answer that question, I just want you to understand. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais que vous commenciez par comprendre ce qu'est un réseau postal. Imaginez un vieux bâtiment au milieu d'une ville ou dans un village, un bâtiment qui n'a pas été repeint depuis un bon moment. Lorsque vous voyez ce genre de bâtiment, vous pensez immédiatement au service des postes, n'est-ce pas? Oh, vous avez envoyé une lettre, probablement, au cours des 2 ou 3 dernières années. Qui a envoyé une lettre au cours des 2 ou 3 dernières années? Levez la main. Levez la main. Qui a envoyé une lettre au cours des 2 ou 3 dernières années? Oh, je suis vraiment impressionnée, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Colleagues, let me tell you what I want to say here. First of all, the postal service has been in existence since the dawn of civilization. When man and women learned. Et auparavant, lorsque l'on envoyait des lettres, effectivement, il y avait des services postaux qui permettaient aux gens de communiquer. J'ai vu ce qui se passait il y a 1600 ans avant Jésus-Christ en Chine. Les services postaux ont commencé à s'organiser à partir de là. Et dans chaque pays, des réseaux ont été mis en place. Les pays se sont organisés jusqu'à 1974, date à laquelle l'Union postale 1874, à laquelle l'Union postale universelle a été mise en place. Nous couvrons tous les villages du monde entier, de Burkina Faso, l'Himalaya, passant par d'autres coins reculés de la planète. Nous sommes présents partout. Nous savons où vous habitez, nous venons frapper à votre porte et nous vous fournissons les services requis. Nous le faisons depuis des générations. Nous parlons de office de poste ici, et nous parlons également de transformation, de changement. Et le commerce électronique n'est rien d'autre que la fourniture d'un service concret, matériel. Bon, peut-être qu'un jour, on découvrira le moyen de vous transmettre un colis par le biais d'un iPad. À ce moment-là, les services postaux ne seront plus du tout pertinents. Mais d'ici là, je pense que nos services continueront à être vraiment importants. Bon, vous avez vu que beaucoup de gens ont levé la main pour dire qu'ils avaient envoyé des lettres papier, dans les 2 ou 3 dernières années. Maintenant, bien sûr, les chiffres ont beaucoup changé avec le temps. Et un problème majeur se pose à l'heure actuelle. Les objectifs de développement durable de l'ONU insistent bien sur le fait que personne ne doit être laissé pour compte. Nous parlons de mondialisation, et nous savons que beaucoup ont été laissés pour compte. On a entendu que 60 ou 80% de la population en Afrique vivait en marge. 7 millions de personnes font leur travail sur le terrain au quotidien pour livrer des colis.
Et nous avons des milliers de bureaux de poste dans les villages africains. Nous avons mis en place ces infrastructures. Et si vous voulez parler d'inclusivité, d'éradication de la pauvreté, de création d'emplois, d'opportunités pour les femmes, pour les jeunes, si vous voulez parler de tout cela, eh bien il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par les services postaux. Nous ne sommes pas là pour fournir des services financiers, nous ne sommes pas là pour servir de banque, nous sommes là pour fournir des services, y compris lorsque nous avons des concurrents. Moi, je viens de Mandala, je sais que demain matin, les bureaux sont fermés, et je sais que les populations rurales vont s'en tenir au bureau de poste, et ce sera là qu'elles pourront obtenir des services. Nous avons essayé de résoudre les problèmes. J'ai participé moi-même à beaucoup de réunions, de conférences. J'ai entendu parler encore et encore des mêmes problèmes. Nous n'avons jamais proposé de solution unique à tous ces problèmes. Et pour nous, le commerce électronique est un nouveau concept que nous avons élaboré, développé, dans une de nos résolutions en 2016. Moi, personnellement, on m'a demandé de trouver des solutions innovantes. Solutions innovantes. Et en fait, les choses sont fort simples. On ne va pas réinventer la roue ici. Nous avons déjà les infrastructures nécessaires. Il y a des choses à améliorer, c'est certain, mais ce qui compte avant tout ici, c'est le marché numérique. Marché numérique, la mise en place d'un marché numérique unique qui permettra d'intégrer tout le monde. Voilà. Bon, il peut y avoir Alibaba, Amazon et tous les autres. Peu importe finalement. Le seul objectif, l'objectif de Ecom Africa, c'est de mettre en place un marché numérique unique, un marché véritablement inclusif. Nous avons les systèmes de déclaration avancée aux douanes, nous avons les technologies disponibles, nous avons toutes les questions transfrontières, nous avons le soutien des gouvernements, nous avons les citoyens, les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, tout le monde pourra être inscrit. Gratuitement, je le répète, gratuitement. Vous m'avez bien entendu. Et je rebondis sur ce que vient de dire notre collègue. Il nous a dit que le rôle du gouvernement ou des gouvernements était capital. Mais nous savons bien que ce sont les gouvernements qui doivent agir. Les services de sécurité des aéroports, tout ce qui se passe en douane, les services douaniers, l'électricité, Internet. On ne peut pas faire de commerce sans que les gouvernements jouent leur rôle. Il faut qu'il y ait un secrétariat national. Tout doit être placé sous la houlette du président pour que ce programme puisse être mené à bien. Les autorités aéroportuaires et toutes les autres autorités doivent jouer leur rôle. Dans ce cadre unique, les services de paiement, paiement également sont concernés. Une fois que tout le monde aura été abordé, bon, nous avons lancé des projets pilotes dans 6 pays en Afrique. Kenya notamment, Afrique du Sud pour la SADC, Cameroun pour la CDAO, Cameroun pour le CDAO, Maroc et Tunisie également. Et beaucoup d'autres pays, l'Éthiopie, la Tanzanie, vont bientôt nous rejoindre. Merci. Je vous interromps un instant, mais nous allons nous lancer un défi pour les services postaux, mais avant cela, j'aimerais que vous nous disiez, pour conclure, ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit. J'aimerais que vous nous disiez ce à quoi il vous paraît important de réfléchir maintenant que nous avons entendu tous les panélistes. Oui, eh bien, moi, ce que je dirais, c'est que j'aime beaucoup l'Afrique. Nous savons qu'il y a beaucoup, beaucoup de créativité en Afrique. Nous savons qu'il y a beaucoup de start-up très prometteuses en Afrique. Nous savons que, malheureusement, beaucoup de personnes doivent quitter l'Afrique, doivent aller aux États-Unis ou en Europe pour faire des affaires. Donc, il faut mettre en place un environnement propice, mettre en place des bonnes conditions pour les locaux, pour que le commerce ou les entreprises se développent en Afrique.
C'est ce que nous avons entendu tout au début de notre séance. En Europe, nous avons créé la stratégie ou adopté la stratégie pour le développement numérique. L'Europe était le plus grand bailleur de fonds à l'époque pour la coopération, le développement. 32 milliards d'euros l'an dernier pour des projets européens et 82 milliards au total par an. Mais seulement 500 millions d'euros de ces 82 milliards d'euros étaient consacrés au développement numérique. Bien sûr, il y a des problèmes de survie qui sont plus urgents, mais on ne peut pas traiter que de questions urgentes. Il faut bien sûr réfléchir à la démocratie, à la construction des routes, à l'alimentation, etc. C'est fondamental, mais j'imagine bien qu'en Afrique, les gens ont les mêmes aspirations que dans mon pays, l'Estonie. Beaucoup ont envie de faire un grand bond en avant dans l'ère numérique. Et je sais que c'est possible, c'est tout à fait possible. Dans mon pays, Estonie, je crois que nous avons vraiment assisté à un miracle. L'économie n'a plus rien à voir, notre économie n'a rien à voir avec celle de la Finlande ou d'autres pays, mais nous avons énormément progressé. Dans un projet européen, ou dans les projets européens à venir, nous espérons bien pouvoir financer davantage de projets numériques en Afrique. Il faudra donc que vous présentiez davantage de demandes pour des projets numériques. Vous pourrez ainsi créer des emplois ici, en Afrique. Vous pourrez ainsi retenir les personnes, les jeunes intelligents, car en Europe, nous utilisons d'ores et déjà des solutions inventées ici. Par exemple, M-Pesa qui a été inventé au Kenya. M-Pesa est utilisé en Roumanie, en Union européenne, à l'heure actuelle. Il y a eu des simulations pour l'atterrissage des aéronefs. C'est un système qui a été inventé en Afrique. Le deuxième superordinateur a été créé au Sénégal. Et il y en aura un autre en Côte d'Ivoire. 150 ou 160 personnes travaillent sur ce superordinateur. Ces ordinateurs seront utilisés pour améliorer la productivité agricole, pour améliorer le secteur des pêcheries. On pourra combiner l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, grâce à ces super ordinateurs, et ici même, en Afrique, dans mon petit pays, l'Estonie, où il y a 20 ans, nous produisions 3,5 millions de tonnes de lait par an. Maintenant, c'est 9,2 millions de tonnes par an. Nous avons utilisé les mêmes technologies pour l'élevage des poulets. Il est possible de fournir des traitements médicaux également aux poissons dans le domaine de la pisciculture. Donc tout est possible. Tout est possible dans le monde entier. Nous pouvons courir le marathon, exactement comme les Kenyans qui sont si forts en marathon. Et nous avons pour moins d'avoir des champions olympiques. Donc tout est possible dans le monde numérique également. Bon, je suis désolée, maintenant je dois vous quitter parce que je dois prendre mon avion pour rentrer. Mais je me réjouis par avance de la collaboration fructueuse à laquelle se livreront les pays africains et l'Union européenne. Merci beaucoup. Do you feel inspired? And Secretary General, we will also allow you to exit. Let's give him. Merci beaucoup. Le secrétaire général va nous quitter également. Merci. Merci au secrétaire général de la CNUSED. Alors, vous pensez que c'est possible, vous aussi? Vous vous souvenez ce qu'a dit Mandela?
Cela semblait impossible jusqu'à ce que cela ait été réalisé. Voilà. Maintenant, de nouveaux intervenants vont nous rejoindre. Saman Kenyé de la CAA. Merci beaucoup de nous rejoindre à la tribune. Claire Messina, directrice exécutive adjointe du panel de haut niveau du secrétaire général sur la coopération numérique. Allez-y, venez nous rejoindre. Vous voulez poursuivre? Attendez, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je vais commencer par présenter Claire. Mais je suis ravie de voir que vous êtes aussi enthousiaste. Vous avez entendu tout ce qui a été dit jusqu'à présent. On a parlé d'une Afrique numérique unique, on a parlé d'inclusivité. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez, ce que vous pensez des prochaines étapes, de l'avenir. Merci, merci beaucoup, je dis merci, bonjour à tous et à toutes. Moi je suis là depuis ce matin. Et ce que j'aimerais... Ou plutôt pour reprendre ce que disait le secrétaire général, M. Kitui, parler de 20 à 80%, en fait, l'intérêt là, c'était principalement les énergies renouvelables. C'est surtout les énergies renouvelables qui ont fait la différence. Ensuite, on parle d'un marché numérique pour l'Afrique. On parle beaucoup de la zone de libre-échange pour le continent. Tout le monde en est très fier. Cet accord a été signé par 49 pays, 13 pays ont ratifié l'accord. On attend encore quelques ratifications pour que l'accord entre en vigueur. L'économie africaine représentera 2,5 trillions de dollars, 1,3 milliard de personnes. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons aujourd'hui. 1,2 milliard de personnes... 1,2 milliard de personnes qui, pour l'instant, sont invisibles, qui n'ont pas d'identité juridique, légale. Vera Sangwe, la directrice exécutive de la CEA, nous l'a rappelé hier. En effet, on ne peut pas prendre part au commerce électronique tant que personne ne peut avoir confiance en soi. On ne peut pas être connu non plus si on n'a pas d'identité légale. Alors, que fait la Commission économique pour l'Afrique en ce moment à ce sujet? Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous avons mis en place une initiative pour l'identité numérique en Afrique. Il ne s'agit pas d'une initiative ad hoc, il s'agit d'une initiative qui est tout à fait conforme aux ODD, et en particulier à l'ODD 16. Alors, la communauté internationale s'est engagée, pour que toutes les personnes qui naissent sur cette planète disposent d'une identité, pour que plus personne ne soit invisible ni laissé pour compte. Nous avons donc lancé cette initiative pour promouvoir la mise en place d'un système d'identité juridique qui permettra par exemple aux fournisseurs en Afrique d'être connu, d'être digne de confiance. Un fournisseur d'un pays africain pourra être digne de confiance dans tous les autres pays africains et pourra avoir un système de paiement numérique sans craindre quoi que ce soit, puisque le service concernera les particuliers et les entreprises et que tout le monde sera connu, identifié dûment. Vous avez parlé des services postaux, ces services pourront également parfaitement fonctionner de cette façon. On pourra ainsi optimiser le potentiel de la zone de libre-échange pour le continent. Je sais que la zone de libre-échange porte surtout sur le commerce des biens et des services pour l'instant. Et je sais que l'on pourra s'en servir pour faciliter le commerce électronique au maximum. On a déjà... parler des politiques de concurrence, de la facilitation des échanges, des droits de propriété intellectuelle. On en a discuté abondamment. On a entendu dire que des entrepreneurs voulaient utiliser des plateformes numériques pour créer de nouvelles possibilités de faire des affaires. Mais nous savons
que les inventions doivent être protégées. Nous savons qu'il faut mettre en place des conditions d'équité pour tout le monde sur tous les créneaux de marché. Il faut que qu'il y ait des conditions égales pour les grands acteurs et pour les plus petits acteurs sur le marché. Merci, merci beaucoup. Effectivement, il faudra veiller à ce que toutes les dispositions soient dûment intégrées, comme vous venez de le rappeler. Et bien sûr, l'inclusivité, c'est un aspect capital, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, cet après-midi. Maintenant, peut-être que vous pourrez nous dire quelles sont, nous parler des difficultés, des défis à relever dans cet environnement numérique. Try it. Yes, does it work? Yes, just yes. Hold it close. Okay. Yeah, thank you. I'm representing. Je représente le panel de haut niveau sur la coopération numérique du secrétaire général qui a été créé en mois de juillet de cette année. Je pourrais donner mes coordonnées aux personnes qui ne connaissent, n'étaient pas au fait de l'existence de ce panel. La question est comment différents acteurs peuvent se rassembler et travailler ensemble pour faire prospérer le numérique à l'avenir. Ce panel est constitué de 20 experts indépendants qui viennent du monde entier, représentants des gouvernements, le secteur privé, beaucoup de jeunes entrepreneurs également, des femmes tout particulièrement, représentant le monde académique, les communautés, différentes communautés. Et l'objectif est de préparer un rapport pour le secrétaire général d'ici le mois de mai de l'année prochaine. Je suis ici plutôt pour écouter que pour intervenir. Cela m'intéresse de savoir sur quoi vous butez, quels sont les points les plus importants, pourquoi il faut coopérer davantage. Et donc, je voudrais partir du point suivant, après vous avoir écouté. Il n'existe pas d'acteur unique qui puisse réussir à mettre en place cette transformation numérique. Aucun gouvernement tout seul, aucun entrepreneur isolé ne peut le faire. La société civile non plus. Il nous faut travailler tous ensemble pour parvenir à mettre en place cette inclusivité, pour parvenir à la prospérité. Il nous faut nous rassembler, travailler ensemble pour atteindre un même objectif. Mon deuxième point qui me semble important, la transformation numérique, certes, mais pourquoi ? Ce n'est pas une fin en soi. Quel est l'objectif ? Eh bien, c'est l'inclusivité. Une répartition équitable des bénéfices, de la prospérité, du bien-être sur l'ensemble de la planète, pour tous les segments de la société. Et si l'on garde cela à l'esprit, eh bien, nous qui venons de l'ONU, bien évidemment, nous avons la charte bien présente à l'esprit. C'est dans notre ADN, c'est la colonne vertébrale de notre fonctionnement. C'est ce à quoi nous aspirons. Et donc, en gardant ces deux aspects présents à l'esprit, où allons-nous, donc ? Que recherchons-nous à obtenir ? Que cherchons-nous à obtenir ? Plus d'inclusivité, un avenir plus juste pour tous, et également le fait que nous ne pouvons pas y parvenir tout seuls. Eh bien, il y a une question que j'aimerais vous poser à vous tous, à l'ensemble de notre panel, mais également à l'audience, pourquoi pas ? Quels sont les domaines, les champs d'application, les problématiques pour lesquels vous sentez vous-même que vous ne pouvez pas agir seul? Ou pensez-vous qu'il faille coopérer tout particulièrement? Eh bien, je poserai la question à l'ensemble des panélistes dans un instant. Je voudrais revenir vers vous, Hussein, pour que vous continuiez à évoquer les différentes possibilités ouvertes par le numérique. J'ai fait une déclaration qui est lourde de conséquences ici. Toutes les entreprises, petites ou grandes, figureront sur la plateforme sans frais. Cela sonne comme quelque chose d'absolument irréaliste. Pour être très honnête, nous avons déjà l'ensemble des adresses. Nous les avons à notre disposition. Deuxième chose que je voudrais dire, même si c'est un souhait du gouvernement, un gouvernement qui souhaite promouvoir le commerce par exemple, quel est le défi principal pour les petites et moyennes entreprises? Elles n'arrivent pas à faire figurer leurs produits dans l'espace public. Je vais me permettre une petite anecdote. Je me trouvais au Burkina Faso, je participais à une conférence et après la pause déjeuner,
on m'a emmené visiter un marché et j'ai trouvé deux fillettes, deux jeunes fillettes africaines qui étaient en train de fabriquer une nappe. C'était le coton le plus blanc que j'ai jamais vu, avec un baobab en couleur absolument magnifique. Donc cette nappe avec des serviettes de table, etc. Ma femme et moi venions de déménager en Suisse et cela, nous cherchions des nappes et des nappes coûtaient près de 100 francs suisses. Quand je suis allée voir ces petites filles, elles m'ont dit 12 dollars. Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Et c'était mille fois meilleur que ce que j'avais vu en Suisse. Et je leur ai demandé pourquoi ces 12 dollars. J'avais l'impression de voler cette nappe à ces fillettes. Pour quelle raison? Parce que personne ne voyait leurs produits. Personne ne pouvait voir ce qu'elles faisaient. Et donc le plus grand défi, c'est l'information sur les produits sur les marchés. C'est ce que le gouvernement peut faire de mieux pour ses citoyens, c'est donner accès à ces produits. Une fois que ceci est fait, le ministère du Commerce peut faire figurer cette information sur une plateforme et chacun pourra consommer. Nous n'achetons pas les jeunes de ce pays envoient sans doute des commandes sur Alibaba ou Amazon. On achète dans le monde entier. On achète des gadgets qui viennent d'ailleurs. Est-ce que nous vendons nos produits au monde extérieur? Non, de manière extrêmement limitée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les bonnes plateformes numériques, pas les bonnes instances. Nous manquons de visibilité. Chaque petit entrepreneur ici présent éprouve des difficultés à accéder à de telles plateformes. Eh bien, nous avons donc créé un système avec un menu, avec une liste de pays. Je vois l'Afrique du Sud et je vois l'ensemble des pays, des produits avec leur prix. Et ces produits deviennent visibles grâce à ces plateformes. Et si l'on associe ces différentes plateformes, cela créera une plateforme africaine comme Alibaba ou Amazon. Nous pourrons, grâce au libre-échange, demander au gouvernement de définir des politiques communes en matière de prix notamment. Et c'est là tout le concept, tout l'objectif. Ce n'est pas qu'un simple rêve. 6 pays sont déjà impliqués dans ce projet. L'un d'entre eux lance déjà. La Tunisie, donc, lancera une telle plateforme l'année prochaine. Nous venons de signer un accord avec la Côte d'Ivoire. Le Kenya, nous devrions signer aujourd'hui, avec le ministre ici présent. Donc nous progressons. C'est déjà en train de se mettre en place. Ce que je voudrais dire, donc, c'est que l'Union Postale Universelle dispose des technologies, de l'expertise, des connaissances. Ce que nous voulons, c'est un soutien de la part de nos partenaires. Eh bien, rejoignez le mouvement, donc vous l'avez bien entendu. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Je pourrais continuer à vous interroger à ce propos, mais je voudrais répondre à la question qui a été dressée à chacun de nos panélistes. Alors, vous avez déjà évoqué chacun ce qui vous semble être les problématiques clés en ce qui concerne l'environnement numérique. Qui est cette partie prenante avec qui vous devez absolument coopérer? Quels sont ces acteurs que vous devez absolument avoir à vos côtés dès maintenant pour vous aider à opérer cette transition vers le niveau suivant? Nous allons commencer avec le Sénégal. Dans votre travail, de qui avez-vous besoin? Quel serait votre partenaire rêvé pour agir? Alors cela ne concerne pas que le Sénégal, nous sommes présents dans différents pays, donc 14 pays africains. Nous vendons également à l'Europe, donc nous avons également des clients hors de notre continent. Nous parlons des chaînes de valeur. Cela signifie que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs présents sur l'ensemble de cette chaîne. Nous devons travailler avec tout le monde. Et la technologie constitue, comme je l'ai déjà dit, une manière d'organiser et de simplifier ce travail, de faciliter les relations également entre les différents acteurs dont est constituée cette chaîne. Je pourrais vous donner un exemple, même deux. L'un en Afrique et l'un en France. L'autre en France. Nous disposons d'une plateforme qui s'appelle Africa Coco Village. Les cultivateurs de cacao peuvent s'y connecter. C'est une technique. Vous savez quelle est l'information la plus demandée? On veut savoir d'où vient ce cacao.
On veut savoir si ce cacao vient d'une zone protégée, ou alors, ou en tout cas d'une zone autorisée, de culture autorisée. Que font exactement les cultivateurs? Même si cela a l'air bien joli, nous voulons, et les gens veulent savoir quels produits sont utilisés, quelles pratiques on a recours pour ces cultures. On demande à établir un lien entre ce cacao, les différentes pratiques de production, et le goût du produit final, ou de la barre, ou du chocolat qui en provient. En France, nous utilisons la même plateforme pour des vignerons. C'est une plateforme coopérative qui permet de faire en sorte que les membres de la dite coopérative utilisent les bonnes technologies pour choisir le raisin et produire un vin bien particulier. On revient toujours au même point, la question de la confiance. Et nous ne pouvons pas, pour ce faire, nous fier uniquement à la technologie. Il nous faut des gens qui collectent les données, qui contrôlent la qualité de ces données. Il nous faut des personnes qui supervisent ces processus, qui analysent tout cela. Et c'est également là la chance de l'Afrique. C'est aussi une possibilité de créer des emplois pour des millions de jeunes en Afrique. C'est une chance immense d'utiliser le numérique comme une manière de développer des emplois physiques. Donc la traçabilité de l'information, les différentes manières de production. Lorsqu'on parle de commerce, je voudrais utiliser le mot de honorabilité. Votre manière de la fiabilité, en quelque sorte, mais votre manière de travailler avec vos clients, la logistique, le fait que vous payez vos clients. Il vous faut, en quelque sorte, être un honnête homme et pouvoir le montrer. Alors, honorabilité, pour ceux qui ne connaissaient pas ce terme, je vous le semez ici. You're doing in customs, the opportunities for Africa. Who do you think are your core? Who are the core partners? Alors, quant à vous, quels sont les partenaires dont vous avez besoin? Si je me place moi-même donc en position de quelqu'un qui est confronté aux administrations douanières, en Afrique, les préoccupations principales sont les suivantes. Elles sont très pratiques. Il faut faire en sorte de pouvoir collecter les bénéfices qui correspondent à ces tarifs pour leur pays. Beaucoup de pays dépendent de ces revenus pour l'administration de leur pays. Faire en sorte que ce qui rentre dans le pays n'est pas illégal. Beaucoup de domaines où, dans beaucoup de zones, nous avons vu que l'e-commerce était utilisé pour le commerce de drogue, d'armes et d'autres biens contrefaits ou illicites, ou l'alcool ou le tabac qui pouvait inonder tel ou tel marché grâce à l'e-commerce sans être taxé comme il se doit. La fiabilité des données est un autre problème, on vient déjà de l'évoquer. L'information dont dispose et qui est fournie aux administrations douanières, qui doit leur permettre de bien évaluer les risques. Je pense qu'au moment où les gouvernements investissent dans les infrastructures du numérique, et on se concentre beaucoup sur le besoin bien réel qui correspond à éduquer et à renforcer les capacités des consommateurs pour qu'ils puissent évoluer dans un environnement numérique. Il faut également investir et renforcer les capacités des différentes institutions gouvernementales. Et donc, je représente l'administration douanière, mais il existe tant d'autres instances qui œuvrent aux frontières et qui doivent être en capacité de progresser vers cette ère du numérique, faciliter ce commerce, peut-être utiliser l'automatisation d'un certain nombre de processus pour évaluer les risques. Peu importe la qualité des données, si les administrations ne peuvent pas accéder à ces données, donc les différentes institutions gouvernementales présentes aux frontières doivent également être prises en compte. Tout le monde doit progresser et améliorer son niveau en même temps. Effectivement, personne d'entre nous ne peut le faire tout seul. Tout cela va se développer très rapidement. Il est donc essentiel que ces institutions gouvernementales soient soutenues. Permettez-moi de
m'adresser à vous dans votre travail? Quels sont les partenaires dont vous avez besoin? Avec qui vous faut-il collaborer pour progresser dans le domaine du numérique? I think you might need to switch it on. Hello? Yes. So, the different groupings. Nous avons évidemment besoin de beaucoup de soutien. L'écosystème de technologie en Afrique et les partenaires qui y figurent, c'est à cela que j'aimerais m'intéresser. Il y a des gens comme moi qui font du consulting, qui travaillent avec les différentes technologies. Ensuite, il y a les capitaux d'investissement. Il y a quelque chose qui est très bon pour nous en ce moment, c'est même si il y a des capitaux qui correspondent en tout moins de 10% de ce qui est investi au niveau mondial dans les technologies. On constate néanmoins qu'il y a 5 pays plus précisément en Afrique. Et j'en parlerai en lien avec l'inclusivité. 5 pays reçoivent 80% de ces capitaux d'investissement: Kenya, Nigeria, au Ghana, l'Égypte, et en dehors de ces pays, il y a deux verticales où atterrit la plus grande partie de l'argent. Les technologies financières, donc les paiements, et les plateformes de commerce. Alors, il y a des plateformes d'e-commerce qui se créent en dehors du Kenya. Donc, il y a un espace qui attire ces capitaux, c'est l'e-commerce, donc la facette paiement, et les plateformes. Donc là, c'est l'un des grands acteurs. Nous devons savoir où va l'argent. Et l'argent va là où il y aura de la croissance. Mais la question de l'inclusivité devient alors problématique. C'est que nous créons une série de pays d'élite qui vont continuer à se développer et dépasser tout le monde et laisser les autres face contre terre. Donc, il y a ces partenaires de l'écosystème, des gens qui participent aux formations. Il y a des représentants d'AfriLabs qui travaillent à cet espace technologique. Si l'on s'intéresse à l'histoire de l'Afrique et au développement des logiciels chez nous et de la croissance technologique également, eh bien, les moteurs de tout cela, c'était essentiellement ces plateformes. Et on pouvait y accéder à Internet de manière simple, des sortes de pépinières, donc accéder à Internet facilement, et on pouvait travailler efficacement. Il nous faut donc la preuve d'efficacité pour faire en sorte que la technologie se développe. Et ensuite, il y a les partenaires gouvernementaux. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis que je suis là. On parle beaucoup de confiance. Et ce que je voudrais vous dire est très simple. Les gouvernements doivent former leur population à l'usage de ces outils. Ils doivent développer leur économie pour créer une place pour l'e-commerce. Les gouvernements peuvent fournir des services en ligne. Il peut s'agir de paiement des impôts, différentes démarches administratives pour que la population s'habitue à utiliser le commerce électronique, s'habitue à aller en ligne, à se connecter pour obtenir des services. Et au fil du temps, il sera de plus en plus simple de continuer à progresser et à passer du paiement de tel impôt à, par exemple, l'achat d'une paire de chaussures. Ce sera un pas beaucoup plus simple à faire à ce moment-là. Donc pour moi, si les gouvernements ont quelque chose à faire, évidemment, il y a toute la logistique, etc. Mais je viens du secteur privé, donc je cherche le résultat qui nous permettrait d'enclencher le processus. Et je pense que c'est ça que les gouvernements peuvent faire. Je pense qu'effectivement, le Kenya pourrait occuper une position un peu particulière ici. Nous faisons beaucoup de choses en ligne déjà. Par exemple, je viens de demander des passeports pour toute ma famille en ligne. Tous ces processus se font en ligne. On peut payer sur Internet, c'est très simple. Nous revenons vers vous avec cette même question, mais si l'on revient vers vous dans ce contexte, vous êtes le champion des services postaux.
Vous considérez que les plateformes d'e-commerce sont la nouvelle vague à laquelle nous devons tous faire attention. La situation actuelle des services postaux, des bureaux de poste, vous l'avez évoqué. Alors nous avons un pourcentage à un chiffre de personnes qui utilisent tout cela. Je pense que mes enfants pourraient ne même pas vraiment savoir de quoi il s'agit. Alors, vous nous avez réexpliqué de quoi il s'agissait. Donc, pour vous, quels sont les acteurs les plus importants? Permettez-moi de dire la chose suivante. Alors, le bureau de poste n'est pas un simple gâteau ou une institution des temps passés. Nous sommes transformés, nous utilisons les différentes technologies qui sont apparues au fil du temps et nous proposons des services pertinents. Nous utilisons des drones pour des livraisons, pour proposer des services. Cela n'existe peut-être pas partout, mais cela existe. Nous sommes donc bien dans l'espace du numérique. Donc les lettres, effectivement, tentent à disparaître, mais l'e-commerce et le trafic postal, les systèmes de livraison, cela existe et nous continuons à essayer de les perfectionner. Donc la Poste a avancé. Deuxièmement, pourquoi est-ce important pour nous? Ce qui est important pour moi, c'est qu'il nous faut des gouvernements sérieux qui prennent cette question du commerce électronique au sérieux. Ensuite, en ce qui concerne l'inclusivité, nous ne voulons laisser personne de côté. C'est pourquoi nous en sommes arrivés au concept que j'ai évoqué précédemment. Il nous faut des partenariats pour créer les différentes plateformes, la logistique, il nous faut des ressources très fiables. Nous n'avons pas de ressources, évidemment, à l'Union postale universelle. C'est aux gouvernements nationaux de s'emparer de cette question. Pour revenir à ce que je veux démontrer, les gouvernements peuvent proposer, financer cela comme ils financent des infrastructures postales, ou, lorsque les gouvernements n'ont pas d'argent, et c'est bien souvent le cas, ce ne correspond pas forcément à une part importante du budget. Dans ce cas, il y a toute une série de choses à faire pour créer ces plateformes en partenariat avec le secteur privé. Donc, nous proposons ces deux options, nous proposons différentes solutions. Le MIT, les professeurs Harvard nous aident à créer de telles solutions. Et ce n'est pas une mince affaire. Nous travaillons avec des pays qui s'intéressent sérieusement à ces questions. Dernier point, chaque acteur ici présent peut participer à ce système. Nous n'excluons personne. Vous tous, ici présents, il y a une place pour vous. Il faut vous raccrocher au train. C'est une question de choix de fonctionnement. Chacun peut s'impliquer. Les partenariats sont essentiels. Merci beaucoup. Donc, dans cet environnement numérique, peut-être que vous pourriez nous donner un lien ou le lien vers un site que nous transmettrons à tout le monde pour que tout le monde puisse se connecter à votre système. Et nous, chacun est bienvenu, tout à fait. Steven, je m'adresse à vous maintenant. Vous nous avez montré des choses qui m'ont fasciné. Et notamment par la question de l'identité numérique. Cela permet d'accéder à des services financiers et à tant d'autres choses. Il faut également des dispositions pour faire en sorte que nous abordions l'accord de libre-échange de la bonne manière. Il y a tant de partenaires. Qui vous semble le plus essentiel? Merci beaucoup. Pour nous, la CEA, donc, nous sommes une commission régionale rattachée à l'ONU. Notre mandat inclut essentiellement la promotion de la coopération au niveau régional pour le développement socio-économique de l'Afrique. Donc, en tout premier lieu, ce qui est le plus important pour nous, ce sont des partenaires tels que les gouvernements. En ce qui concerne notre discussion, il y a de nombreux pays en Afrique avec des populations de moins de 10 millions de personnes.
en réfléchissant du point de vue d'un entrepreneur ou d'un agriculteur, le potentiel de 10 millions de personnes en termes de croissance, de développement de son marché, ce n'est pas extraordinaire. On se heurte bientôt à un plafond. Donc, l'accord de libre-échange à l'échelle africaine offre la possibilité d'œuvrer à plus grande échelle pour les entreprises. Et si l'on associe ça à la question du libre mouvement des personnes, c'est encore mieux. Donc nos partenaires clés en ce moment, ce sont les gouvernements. Nous essayons de souligner l'importance d'abaisser les barrières douanières, les tarifs douaniers, et faciliter les déplacements d'un pays à un autre. Et nous constatons en ce moment qu'il est bien possible de créer cette zone de libre-échange à l'échelle du continent pour les biens et les services. Mais il peut néanmoins subsister des barrières numériques. Nous ne pouvons par exemple pas toujours nous payer mutuellement parce que les systèmes de paiement ne sont pas forcément compatibles. Les problèmes de devises subsistent. La question des plateformes de paiement a déjà été évoquée tout à l'heure. Un marché numérique unique où la question de l'identité juridique est résolue serait donc très utile. Il ne serait pas nécessaire de passer par tous ces intermédiaires, toutes ces banques que nous utilisons à Londres ou à New York, car nos devises seraient mieux associées. Et enfin, il y a également la question des femmes. Cela a déjà été évoqué. Il y a beaucoup de commerce informel, une zone grise qui existe partout en Afrique. Et ces personnes peuvent transporter physiquement des devises avec elles, avec un marché numérique unique, où il ne faut pas se préoccuper des questions d'identité. Il ne faudrait pas non plus transporter de l'argent, car il y aurait des plateformes de paiement où les échanges se feraient automatiquement. Nous voulons donc que les gouvernements fassent en sorte de créer un environnement qui permette les déplacements des biens, des services, de personnes, qui fassent en sorte de ne pas créer de nouvelles barrières. Nous voulons un marché numérique ouvert pour l'e-commerce et pas de nombreux petits marchés clos et protégés. Nous pourrions ainsi développer le commerce africain. La CEA et la CNUSED évoquent déjà la question de ce commerce intra-africain. Et cela a déjà été dit, les produits que nous trouvons chez nous en Afrique sont souvent d'une grande valeur. Il y a déjà une très bonne base. Merci beaucoup. Je me tourne désormais vers l'auditoire. Nous avons du temps pour échanger. Claire, peut-être que vous voudriez intervenir. Je sais que vous avez dit que vous étiez surtout là pour écouter plutôt que pour intervenir, mais peut-être que vous auriez quelques mots à nous dire. J'ai bien entendu les quelques mots-clés qui revenaient. L'un d'entre eux était le renforcement des capacités. Ces phrases sont un peu éculées, mais le renforcement des capacités des consommateurs, des citoyens, des représentants officiels du gouvernement, du secteur privé. On peut et on doit progresser très rapidement et fortement en la matière. Passer de l'économie analogique à l'économie numérique. Pour ce faire, cela est nécessaire. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce renforcement des capacités. La question de l'échelle est un autre leitmotiv qui est revenu dans cette discussion. Mais je vois également deux opportunités, deux chances qui semblent revenir dans cette région. J'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Je suis allée dans des pays où le gouvernement essayait d'agir de manière très proactive, créer un e-gouvernement, numériser les services administratifs. Et c'est très impressionnant car on peut constater vraiment à quelle vitesse cela peut se faire. Surtout des gouvernements avec une approche un peu autoritaire. Mais il s'agit des 3 ou 4 premières années où on constate des progrès impressionnants, mais à certains stades, on voit une stagnation, un palier, car la numérisation est une forme de démocratisation
cela signifie remettre une partie du pouvoir entre les mains de la population. Il est intéressant de voir à quel point ces cultures centralisées, autoritaires, sont excellentes, efficaces pour lancer ce processus de numérisation, de passage au numérique, mais à un moment ou à un autre, ils se heurtent à un mur car les citoyens ne sont pas habitués à faire preuve d'initiative, à devenir des entrepreneurs, à prendre leur destin en main. Et je pense que ce qui fonctionne dans cette région, c'est que les gens entreprennent, se lancent, n'attendent pas que l'État fasse tout à leur place. Je n'ai pas répondu à votre question. Ce que vous me demandiez, c'est si j'avais des questions à adresser à l'auditoire. Je pense que cela recoupe ce qu'ont dit les autres panélistes. Que vous faut-il ? De quoi avez-vous besoin de la part des autres pour réussir chacun dans ce que vous faites ? Dans la sphère du numérique, dans votre voyage vers le numérique. Merci beaucoup. Au moment de me tourner donc vers l'auditoire, j'adore les proverbes africains. Il y en a un qui dit approximativement, lorsque l'on traverse la rivière, lorsqu'une foule traverse la rivière, le crocodile ne vous mangera pas. La probabilité que le crocodile vous mange, vous, spécifiquement, est plus réduite. Nous abordons donc cette discussion en sachant que nous avons besoin de travailler tous ensemble. Je vous donne la parole, je vous demande de vous présenter. N'hésitez, vous pouvez commenter ou poser vos questions. La modératrice, je m'appelle Abbas, directeur du commerce. Please give us a minute to just get our... Un instant, s'il vous plaît, nous allons mettre nos écouteurs. Un instant. S'il vous plaît. Est-ce que nous pourrions avoir des écouteurs à la tribune? Accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Go ahead. Thanks, moderator, for the chance. Listen to the speakers. Please introduce yourself. Oh, sorry, my name... S'il vous plaît, veuillez vous présenter. Oui, je viens du Ghana. J'ai écouté tout ce qui a été dit à la tribune. J'ai entendu parler de ce concept vraiment brillant par rapport à Ecom Africa. Je sais que cela peut transformer toutes nos communautés en Afrique. Je sais que nos communautés veulent être incluses dans le développement économique de l'Afrique. Et je pense que ce que vous avez dit à ce sujet était vraiment très intéressant. Vous avez parlé d'une plateforme africaine, une plateforme qui pourrait être utilisée pour transformer l'Afrique. Donc j'aimerais maintenant que vous nous parliez de ce que vous pensez des données, de l'appropriation des données par les populations africaines. Vous avez parlé de ce qui s'est fait en ce domaine en 2018, vous avez parlé du déploiement des stratégies, des technologies, et j'aimerais que vous nous parliez donc de l'appropriation numérique. Mais peut-être que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez, vous. Oh, moi je sais ce que j'en pense, mais j'aimerais savoir ce que vous, vous en pensez. Vous avez parlé de ce que vous allez faire à la CDAO, vous savez comment vous allez utiliser les données pour transformer les sociétés, l'économie. Oui, je comprends. Oui, mais il faut faire preuve d'un esprit de collaboration ici. Nous, ce serait intéressant pour nous que vous nous disiez ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est un concept tout à fait brillant, exceptionnel. Je suis tout à fait favorable à cette plateforme qui peut être utilisée pour apporter le changement en Afrique. Je reprends ce qui nous a dit par rapport au Sénégal pour améliorer la chaîne de valeur, etc. Donc j'aimerais qu'on nous dise ce que vous en pensez. Oh. Même chose pour ce que nous a dit Steve Karoudji par rapport à l'identité légale. Je crois qu'il y a un lien entre les deux questions. C'est vraiment, vraiment très important. Merci. For that. I see what you are saying. I'm going to encourage people as you come. If you do have questions. Si, merci beaucoup pour vos remarques. Bon, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, nous allons essayer d'y répondre. L'idée, c'est d'échanger au maximum. Maintenant, je vous redonne la parole, monsieur. Allez-y. Merci encore une fois, madame. Je m'appelle Abbas. Je suis le directeur du commerce des îles Comores. Bon, j'ai bien saisi vos interventions qui ont tous brillants, et je serai plus bref pour mieux comprendre de ce qui se passe au niveau de la zone de libre-échange continentale.
Donc, ma question vient chez le CEA, Communauté économique africaine. Je trouve que vous vous appliquez beaucoup dans l'économie numérique et du commerce, d'après ce que j'ai compris. Et ma question est ceci. Vu l'existence de tous les blocs régionaux du continent, est-ce que vous avez fait un état de lieu? Actuellement, vous avez un état de lieu qu'on peut comprendre brièvement ce que chaque bloc, ou bien si vous avez harmonisé ce qui se passe dans le continent actuellement, vu qu'on rentre dans la zone de libre-échange continentale. Et puis, j'aimerais si vous avez au moins ou bien fait une étude d'impact au niveau régional ou continental. Régional ou continental, parce qu'on a encore la zone de libre-échange tripartite et puis la zone de libre-échange continentale. Est-ce que vous avez, la dernière question, est-ce que vous avez pris en considération le domaine de la paix et la sécurité au niveau de l'Afrique, et puis voilà. Merci beaucoup. Vous avez fait trois remarques en une, mais nous essaierons d'y revenir. Je vois une question là à droite, madame. Thank you very much, Julie. Merci beaucoup à tous nos panélistes qui nous ont fait part de leurs connaissances très intéressantes. Je viens du Kenya. J'ai une question à poser et je voudrais également formuler trois commentaires. Tout d'abord, je ne me souviens pas de votre nom, monsieur le consultant. Oui, monsieur Hussein, merci. Je voudrais savoir de quelle façon vous comptez veiller à ce que l'Afrique ne soit pas simplement un terrain d'expérimentation pour un produit de e-commerce qui ne serait pas vraiment finalisé. Ce que vous venez de lancer cela, vous pensez que d'ici 6 mois, vous aurez une nouvelle version, une version améliorée. Tout cela coûte beaucoup d'argent, il s'agit de traités bilatéraux, internationaux. Nous ne voulons donc pas que l'Afrique serve en quelque sorte de cobaye pour ce projet pilote. Par ailleurs, j'aurais des commentaires à faire, comme je vous le disais. Tout d'abord, je voudrais proposer la chose suivante. Vous pourriez mettre en place des systèmes qui pourraient adopter de nouvelles versions, qui pourraient être mises à jour régulièrement, comme on le fait avec Windows, par exemple, ou avec les antivirus. Ces systèmes sont en général très onéreux. Il faut renforcer les capacités, former les gens, donc tout cela coûte beaucoup d'argent aux contribuables. Deuxième commentaire, il faut penser aux capacités d'adaptation de chaque pays. Certains pays s'adaptent plus rapidement que d'autres, dirais-je. Bon, Julie vient de le dire, mais lorsque l'on traverse une rivière tous ensemble, on risque moins d'être mangé par un crocodile. Donc il faudrait que personne ne soit laissé pour compte et il faudrait mettre en place des critères communs. Donc il faudrait qu'il n'y ait pas de problème de langue ou autre. Il faudrait surmonter ou supprimer tous les obstacles, les frontières, pour que tout le monde puisse participer à ce projet ensemble. Enfin, il faut établir des priorités par rapport aux produits. Il pourrait y avoir une liste préapprouvée, préétablie de produits. On sait qu'il y a différents blocs commerciaux, la SADC, la COMESA, la CDAO, etc. Donc peut-être que vous pourriez vous appuyer sur ces systèmes économiques. Et encore, il faudra certainement parler de normalisation, d'harmonisation. De cette façon, on ne pourra pas commencer à dire « Ah non, celui-là ne peut pas être pris en compte, celui-là doit être supprimé, celui-là doit être pris en compte. » Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les choses sont extrêmement compliquées et qu'il faudra bien planifier les choses au préalable. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et je crois que quelqu'un avait levé le doigt au fond de la salle. Non ? Madame ?
Thank you. My name is Lydia. I will come back. Thank you. Go ahead. Sorry. My name is Lydia Macau. Merci. Je m'appelle Lydia Macau. Je représente la Fondation pour l'e-commerce ici au Kenya. Je tiens tout d'abord à féliciter le directeur général de l'UPU, Monsieur Bachir. Merci beaucoup pour votre initiative e-com. Et il me semble que cette initiative sera une excellente opportunité pour l'Afrique, pour le marché numérique dont elle a besoin. Je pense en particulier aux petites et moyennes entreprises en Afrique. Nous savons que ces entreprises sont confrontées à des difficultés particulières, notamment en termes de logistique, je pense aux coûts de transport, d'expédition, etc. Tout cela représente des coûts vraiment très élevés pour les petites et moyennes entreprises. Donc peut-être qu'il faudrait établir une liste de plateformes de commerce électronique à l'intention de ces entreprises. Nous savons que ces plateformes vont être très coûteuses pour ces entreprises. Il faudrait donc essayer de réduire les coûts. Par exemple, si vous voulez expédier une paire de sandales du Kenya vers les États-Unis, vous savez que les frais d'expédition sont extrêmement élevés. Ils représentent peut-être 3 ou 4 fois le prix de l'objet que vous voulez expédier. Si vous passez par une plateforme électronique, peu importe finalement quelle sera votre voie d'acheminement de ce produit. Ce qui est certain, c'est que ce produit coûtera 5 ou 6 fois plus cher qu'il aurait coûté au Kenya lorsqu'il arrivera à destination, à savoir aux États-Unis. Donc il faudrait que les choses soient disponibles dans l'espace numérique pour un véritable marché numérique. Et la question que je me pose maintenant et que je voudrais poser au directeur général de l'UPU, lorsque vous parlez de ce projet africain, ce projet e-com pour l'Afrique, est-ce que vous pensez que ce projet sera une solution par rapport aux difficultés que je viens d'évoquer ? Est-ce que vous pensez que ce projet permettra de réduire considérablement les coûts d'expédition pour les produits qui quitteront l'Afrique ? Merci, oui, merci. Je retiendrai la parole à Hussein dans un instant, mais en attendant, je pense à un sujet qu'il faudra peut-être étudier plus avant. Lorsqu'on parle du prix des objets, des marchandises, moi, pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur différents produits et j'ai réalisé qu'on avait un gros problème de prix en Afrique. Très souvent, les petites mains en Afrique ne savent pas vraiment comment valoriser leur temps de travail ou sous-estiment ce temps de travail. Le problème, lorsque vous dites que les frais d'expédition sont vraiment trop chers, c'est que l'on sous-estime le coût des produits. Les produits sont vendus ne sont pas vendus suffisamment chers en Afrique. On ne prend pas suffisamment en compte le temps de travail. Donc j'aimerais évoquer cette question parce que pour moi c'est un problème vraiment grave. Il faudrait valoriser davantage les produits qui sont élaborés en Afrique. Monsieur, je vous donne la parole et ensuite Madame prendra la parole. Hello, my name is Arthur Gwagwa. I'm a senior researcher. Merci beaucoup, je suis chercheur au Centre de propriété intellectuelle. Excusez-moi. Rapprochez-vous du microphone, s'il vous plaît. Merci. Oui, je voudrais poser une question au représentant de la CEA. Je sais, nous savons tous que la question de l'identité numérique est vraiment très positive pour l'économie, mais il faut penser également aux incidences négatives. Par exemple, une technologie de reconnaissance officielle qui aura été importée de Chine. Nous savons que seul le Zimbabwe, pour l'instant, a signé un contrat avec la Chine en la matière. Mais cela ne s'est pas fait dans la plus grande transparence qui soit. Nous ne savons pas si d'autres pays africains ont signé cet accord. Nous savons ce qu'il en est des violations des droits de l'homme en Chine. Nous savons que dans certains pays, l'état de droit n'est pas vraiment très, très solide. J'aimerais savoir si des mécanismes vont être mis en place pour veiller à ce que les données qui sont stockées, analysées, pour tout ce qui permet d'identifier les personnes, ne sera pas utilisé au détriment des citoyens. Merci. Merci beaucoup, madame.
Ensuite, je redonne la parole à la tribune. Thank you very much. My name is Ramati Mugala. I'm the... Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Bogala. Je suis secrétaire exécutive de la Confédération des syndicats d'Afrique de l'Est. Nous représentons 16 millions de travailleurs en Afrique. Donc, je suis très intéressée par ces débats. En effet, je pense que l'on n'a pas suffisamment souligné cela depuis le début des discussions. Je voudrais parler donc plus précisément des syndicats. Au niveau des syndicats, nous comprenons bien que la révolution numérique est fondamentale pour la création d'emplois, surtout au vu du problème de chômage qui est très important en Afrique. J'ai écouté ce qui a été dit hier, ce matin et cet après-midi, et je me pose la question suivante. Pourrions-nous parler d'intégration de systèmes de numérisation internationaux? Mais ne serait-ce pas suicidaire que de parler d'intégration en parlant uniquement de numérisation? Ne serait-ce pas suicidaire, c'est bien ce que vous avez dit? Oui, oui. Oui, parce que je pense à nos start-up, je pense à nos industries naissantes. Je me demande si elles sont vraiment prêtes à se rendre sur le marché et à entrer en concurrence avec les pays industrialisés qui ont vraiment bien progressé au niveau numérique. Alors, vous voulez parler de protectionnisme, c'est cela? Oui. Oui, prenons l'exemple de l'Inde. Je suis de près les débats qui ont lieu au sein de l'OMC. Je sais qu'à l'OMC, l'on parle d'e-commerce. Oui, alors, soyons clairs. Vous nous dites qu'il faudrait que l'Afrique soit protectionniste. Vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait une bonne coopération commerciale au niveau du continent, mais qu'il faudrait qu'il y ait une protectionniste par rapport aux autres continents. Oui, c'est cela. Oui, oui, merci. Merci beaucoup, c'est une question très intéressante. Je pense que les panélistes voudront réagir. Alors Steven, on vous a posé une question bien particulière par rapport aux identités juridiques, aux numériques. On a parlé des incidences négatives potentielles, on a parlé de la Chine, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet, aller sur ce terrain moi-même. Donc peut-être qu'il y a d'autres pays qui sont dans la même situation que le Zimbabwe par rapport à l'accord signé avec la Chine. Qu'en pensez-vous? Thank you very much, Jury, and thank you for the various questions. Actually, in fact, merci beaucoup, Julie. Une question a été posée par les Comores, je crois. Oui, il faudrait y revenir également. Oui. Bon, peut-être que vous pouvez commencer par lui, et ensuite vous pourrez parler des Comores et puis du protectionnisme. Oui. Donc pour ce qui est des identités numériques et pour ce qui est des comportements des gouvernements, voilà pourquoi il est important que la Commission économique pour l'Afrique se penche sur ces questions. Nous sommes là pour promouvoir cette idée parce que, à quoi nous aspirons au final, c'est renforcer la coopération entre pays africains. Nous pourrons avoir ainsi un système d'identité qui nous permettra d'adhérer à certains principes, de respecter certains principes. Et cela nous renvoie à la question qui a été posée. Notre objectif final, c'est que les gouvernements ne soient pas bloqués par la technologie. Parce que s'ils veulent payer quelque chose, s'ils veulent changer quelque chose, il ne faut pas qu'ils doivent verser des sommes considérables pour ce faire. Non. Il ne faut surtout pas qu'ils soient contraints par la technologie. Non, ce à quoi nous aspirons, c'est un système d'identité qui sera utile aux Africains, aux jeunes en particulier. Les jeunes pourront, grâce à ce système, mettre en place ou développer des systèmes de soutien, des logiciels qui seront utilisés pour les identités. Voilà pourquoi ce sujet est particulièrement important aux yeux de la CEA. La CEA souhaite que tout soit fait en tenant compte des préoccupations des citoyens,
pense en particulier à la sécurité des données, au stockage des données, que ce soit en Afrique ou bien au niveau des fournisseurs de services. Il faut bien sûr que toutes ces questions soient dûment traitées. Ensuite, je pense à la question des Comores. Oui, on a parlé des blocs régionaux. Est-ce que vous avez une vue d'ensemble de ces blocs? Est-ce que vous savez ce que ces blocs font? Est-ce que vous avez effectué des évaluations d'impact au niveau régional, au niveau continental? Est-ce que vous avez pris en compte la paix et la sécurité? Oui, merci, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vois qu'il y a beaucoup de négociateurs dans la salle. Je pense qu'ils écoutent de près ce qui est dit. Ils écoutent attentivement tout ce qui est dit. Ces négociateurs ont préparé une négociation sur l'accord de libre-échange, donc ils nous suivent de près. Donc pour ce qui est de la zone de libre-échange, l'un des principes directeurs, c'est que cette zone de libre-échange doit faire fond sur les acquis. Sur les acquis des différentes communautés régionales. Nous nous appuyons donc sur tous ces acquis, toutes ces réussites obtenues dans le cadre des régions économiques. Ensuite, eh bien, je dirais que cela fait déjà 10 ans que nous étudions les sujets que vous avez évoqués au niveau de la CEA. Les États parties à l'accord de libre-échange se sont mis d'accord sur les modalités, sur les possibilités de mise en œuvre, de mettre en œuvre ces modalités. Il faudra voir ce que cela représente pour le continent, pour les différents pays, pour les différents secteurs. Et ce que je puis vous dire, c'est que les résultats montrent jusqu'à présent que nous allons accroître considérablement les échanges sur le continent, que nous allons accroître les échanges de marchandises à valeur ajoutée, à valeur plus importante. Et donc plus nous faisons preuve d'ambition, plus nous sommes ambitieux, plus nous accélérons la mise en œuvre, plus cela sera bénéfique pour les populations et en particulier pour les petites économies. Merci, merci beaucoup. Très rapidement maintenant, parce que je vais vous donner la parole aux autres panélistes, que pensez-vous du protectionnisme? Eh bien, moi, je ne pense pas que l'Afrique doive être protectionniste. Ce que l'Afrique doit faire, c'est disposer d'une approche stratégique basée sur des politiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que nous échangions davantage de produits à valeur ajoutée plus importante. Il nous faut être ambitieux, comme je l'ai dit, et il nous faut être rapide dans la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale. Plus nous avancerons rapidement, plus cela sera bénéfique. Nous devrons bien sûr développer des chaînes de valeur régionales, et grâce à ces chaînes de valeur régionales, nous pourrons intervenir efficacement au niveau international. Et voilà. Voilà pourquoi le commerce électronique jouera un rôle particulièrement important. Parce que si nous pouvons nous appuyer sur le commerce électronique, nous pourrons mettre en œuvre une approche séquentielle qui nous permettra d'être concurrents au niveau international. Je pense bien sûr aux petites entreprises, aux moyennes entreprises également. Et pour l'instant, ces petites entreprises, ne peuvent pas entrer en concurrence au niveau international parce qu'elles n'ont même pas les moyens au niveau local ni au niveau régional. Elles ne peuvent pas innover ni rien. Et c'est bien là l'intérêt, tout l'intérêt de la zone de libre-échange continentale. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à attirer votre attention en particulier? Et que pensez-vous du protectionnisme? So I'm a proponent of just in the Africa technology ecosystem of Africa building and solving. On a parlé du fait que l'Afrique devait résoudre ses problèmes en interne. Bon, ça ne veut pas forcément dire que l'Afrique doit être protectionniste, mais de façon générale, ce que nous avons constaté, c'est que les problèmes africains étaient des problèmes vraiment très spécifiques et propres à l'Afrique. Nous avons le projet de MCOPAM pour l'énergie solaire à la demande, nous avons des projets B2B pour le commerce électronique. Il faut trouver des façons de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Nous avons AgriTech, nous avons
Nous devons veiller à ce que les agriculteurs, quelle que soit la taille de leur exploitation, aient accès au commerce électronique. Les start-up, les entreprises qui sont mises en place sur le continent doivent essayer de résoudre les problèmes qu'elles rencontrent au niveau des douanes. On a parlé de fintech, d'autres plateformes qui montrent bien qu'il faut résoudre les problèmes financiers au niveau du continent. Et il faut voir si l'on pourra survivre à l'extérieur s'il n'y a pas de mesures de protectionnisme. Bon, effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Cela peut constituer un problème. On a parlé également de façon vraiment compartimentée. Il faut éviter cela. Il faut essayer de prendre en compte les startups dans leur ensemble, voir les choses dans le cadre d'écosystèmes, parler des infrastructures, voir les infrastructures nécessaires pour la fourniture de services. Il faut que ces infrastructures soient bien gérées, fonctionnent bien. Et si tel est le cas, on devrait plutôt bien fonctionner. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a que très peu d'acteurs qui fonctionnent bien. Il faut que les entreprises jouent leur rôle, il faut que les gouvernements fassent de même. Il faut pouvoir exploiter au maximum les données disponibles. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je crois que c'est une question vraiment très complexe. C'est une question qui mérite réflexion. Merci. Merci, Hossein. On a parlé d'appropriation des données. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Pour ce qui est du fait de s'approprier les données, je dois vous dire que l'UPU est très fière d'être une organisation qui possède beaucoup de données. Beaucoup, beaucoup de données sont compilées au jour le jour dans nos bureaux. Nous possédons ces données, nous sommes responsables de ces données, nous ne sommes pas là pour les divulguer, bien entendu. On nous a parlé également de technologie. On nous a dit qu'il faudrait éviter que l'Afrique soit submergée par la technologie, par des systèmes qui deviennent rapidement obsolètes, etc. Bon, je dois vous avouer que les technologies évoluent extrêmement rapidement. Il ne faut donc surtout pas que l'Afrique reste à la traîne. Néanmoins, je dirais que l'UPU peut compter sur des experts en technologie, des experts vraiment de pointe dans le domaine technologique. Il y a d'autres organisations, bien sûr, qui ont établi des plateformes, des plateformes numériques sur les marchés, une plateforme de technologie de l'information et de la communication. Et comme je l'ai dit, il n'y a rien à inventer. Il suffit de reproduire ce qui existe déjà. Et beaucoup peuvent le faire. Et pour ce qui est de la sécurité, nous avons un domaine de l'ICANN pour les postes, pour la transmission de données. Donc nous ne sommes pas du tout inquiets à la question de sécurité. Et une autre question m'a été posée par une participante qui a mentionné les coûts d'expédition. Vous avez dit que c'était un sujet de préoccupation pour les personnes qui souhaitaient exporter des produits. Bon, il faut savoir que les services postaux sont bien rémunérés dans le monde entier. Tous nos prix sont publiés, sont publics. Nous connaissons les coûts de transport, les coûts d'expédition. C'est notre travail quotidien. Donc avant d'expédier des marchandises, vous pouvez vous renseigner. Car notre système est vraiment très transparent et très fiable. Merci. Merci beaucoup.
Beaucoup de commentaires ont été formulés, nous avons entendu beaucoup d'avis, très intéressants. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qui a été dit dans la salle. Bien, je pense que, pas forcément au niveau des douanes, mais plutôt par rapport au stockage de données, ou à l'emplacement des données, je pense que c'est une question qui intéresse tout le monde. C'est une question très sensible, très délicate, qui a été abordée dans beaucoup d'enceintes différentes. On a discuté au niveau de l'engagement bilatéral de différents pays. Beaucoup de préoccupations ont été émises par rapport au stockage des données, par rapport à la gestion des données. C'est une question vraiment très très importante. Ce n'est pas une question qui concerne l'Afrique uniquement. Il convient d'être bien conscient du fait que l'Afrique est donc au même point que les autres à ce sujet. Les recherches se poursuivent et toutes les personnes qui participent aux négociations d'accords de libre-échange, qu'il s'agisse d'accords au niveau de continent ou à d'autres niveaux, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'experts qui travaillent sur cette question, qui travaille l'élaboration de politiques sur ce sujet. Ce sujet qui, je le rappelle, est vraiment très important. Oui, les choses évoluent très très rapidement, des normes sont établies au fur et à mesure. Daniel, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous des questions qui ont été posées ? Je voudrais évoquer un point qui est lié à la question des données personnelles, à la sécurisation de ces données. Je pense que c'est un problème assez grave et il nous faut essayer de traiter ce problème en Afrique. La collecte de données est un phénomène naissant qui s'accélère et qui avance beaucoup plus vite que la réglementation, que notre faculté à définir l'usage de ces données. La prise en compte du client ou de l'individu, sa protection, se fait de manière plus lente. Ce n'est pas une question d'éthique uniquement. On peut dire que les données appartiennent à tous, aux clients notamment, mais c'est aussi une question de technologie. Le stockage de ces données, où allons-nous les stocker, est une question très importante. On parle du secteur privé, certes. Mais prenons l'exemple d'un investisseur qui vient de Chine ou des États-Unis d'Amérique qui veut investir dans mon entreprise, eh bien je vais avoir une discussion très sérieuse avec lui concernant le stockage de ces données. Et comme Ethel l'a mentionné, garder les données dans certains pays peut également être très risqué. Donc je n'ai pas de réponse toute prête à vous donner. Dans notre cas, nous essayons de répartir ces données dans un cloud à l'échelle du monde entier. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la solution idéale non plus, pour être très franc. Je pense que c'est un problème effectivement sérieux. Et je pense que chacun, mes collègues, se préoccupent également de cette problématique. L'usage de ces données par le secteur public ou privé, les mauvais usages qui peuvent en être faits, c'est quelque chose de véritablement problématique. Merci beaucoup de votre intervention. Claire, qu'en pensez-vous ? Je voudrais également réagir à la question des données, car c'est quelque chose qui sous-tend tout ce domaine de l'économie numérique. Je pense que nous sommes tous d'accord à ce stade avec le slogan que les données, c'est le nouveau pétrole. Eh bien, c'est quelque chose. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est quelque chose d'assez inexact. Les données sont quelque chose sont un objet qui se démultiplie. C'est comme le sang, cela permet d'alimenter l'ensemble de l'économie. Nous avons évoqué la question de la localisation de ces données. Autre problématique majeure, c'est la fragmentation de ces données. Nous savons tous en effet que l'économie numérique est alimentée par le big data. Et ce que nous voyons dans la plupart des pays, c'est que ces données sont parfaitement fragmentées. Si on ne rassemble pas ces données, on ne bénéficie pas on ne parvient pas à cette transformation, on ne peut pas utiliser ces données de manière efficace. Donc je pense que le panel de haut niveau
va devoir se concentrer sur cette question des données. Comment traiter ces données en tant que bien public à l'échelle mondiale, de même qu'au niveau national, régional, local. Il n'y a pas de réponse unique, mais il y aura sans doute des propositions assez intéressantes en la matière. Donc le panel espère parvenir à des résultats dans le domaine. Merci beaucoup de votre intervention. Je vais prendre une série de questions, une dernière série de questions, et nous reviendrons ensuite vers le panel. Monsieur au premier rang, madame en rouge à l'arrière de la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon nom est Maimoule Sinaka du Nigeria. Je représente les 37 millions de PME qui emploie ou implique près de 57 millions de Nigérians. Même si le secrétaire général nous a quittés, il était clair d'après sa présentation que cela doit également être géré du point de vue du développement. Si c'est bien le cas, notre question est, si l'e-commerce doit nourrir le développement, si c'est cela le programme, pourquoi nous faut-il organiser de telles négociations? Nous recommandons que, parmi les résultats de ce forum, nous puissions arriver à la suppression de telles négociations. Dans le contexte, deuxièmement, dans le cadre de ce forum, comment gérer la question de du seuil qui s'abaisse en permanence? Si nous faisons du e-commerce, faut-il fixer un seuil minimum entre l'Afrique et le reste du monde pour que nous ayons il n'y a pas de question bête. Alors, qui comprend cette notion de seuil minimum? Je ne suis pas seule qui n'ait pas compris. Et monsieur, essayez de nous expliquer le plus simplement possible de quoi vous parlez. Je pense que la panéliste en question saura comprendre. Il s'agit de termes un peu techniques. Et enfin, tout le monde évoque les gouvernements. Et il y a un écart dans notre discussion de cet après-midi. Nous disons que les gouvernements devraient définir un programme pour éduquer les citoyens, pour les protéger. Et ce sont ces mêmes gouvernements au sein desquels qui représentent les moteurs du e-commerce qui ne veulent pas de règlement. Ils veulent un processus sans qu'il ne soit possible de réguler ce système. Et c'est à cet égard que nous demandons également que parmi les résultats de ce forum, on définisse une politique d'intéressement de l'Afrique à la localisation de données. La gestion transfrontalière de ces données, c'est un trésor, c'est quelque chose que nous pouvons vendre, quelque chose qui nous permettra de générer des revenus en cours de route. Merci beaucoup. Madame, je vous en prie. Merci beaucoup de me donner la parole. Mon nom est Rijo Winana. Je travaille au Kenya. Tout d'abord, je voudrais dire aux entrepreneurs qui créent des technologies, s'il vous plaît, créez des technologies pour la distribution des films. Nous avons vu un exemple particulièrement intéressant avec Netflix. Nous regardons Netflix en Afrique. Et pourtant, nous avons nos propres contenus que nous voudrions mettre en ligne. Donc j'ai pu remarquer plusieurs choses dont je voudrais vous faire part. En ce qui concerne le fait de commencer petit, ces entrepreneurs, et je m'adresse à eux ici, qui créent une plateforme d'e-commerce. Avant de parler d'Afrique dans son ensemble, commençons par le Kenya. Au Kenya, il y a 47 comtés. Avons-nous pu impliquer l'ensemble des 47 comtés dans votre entreprise? Est-ce qu'il a été possible d'atteindre toutes les régions? Pouvons-nous déjà mettre en place un commerce au sein de nos pays, un par un, puis afin de pouvoir ensuite commercer avec le reste de l'Afrique? Autre question, remarque que je voudrais formuler. Lorsqu'on s'adresse au gouvernement, donc, comment je fais des films, je voudrais pouvoir accéder à l'ensemble des documents en ligne. Comment faire en sorte pour accéder à ces documents? Comment accéder à des publications telles que la vision à l'horizon 2030, les ODD, l'Afrique 2063? Est-ce que vous avez essayé de chercher ça sur Google? Est-ce que vous avez trouvé le programme à l'horizon 2063? La vision 2030? Oui, mais
Ce n'est pas exhaustif. On n'obtient pas tout en ligne. Nous voudrions avoir accès à toutes ces publications. Où sont ces documents? Comment les gouvernements peuvent-ils faire part de ces informations aux citoyens pour que nous puissions faire des affaires? Nous laissons de côté beaucoup des parties prenantes, des acteurs. Qui sont les usagers d'Internet? Nous ne savons pas quels sont leurs besoins, ce qu'ils veulent. Nous ne savons pas ce que recherchent ces personnes. Et pourtant, ce sont nos clients. Il nous faudrait les évoquer. Autre facette, c'est notre attitude. Il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, chaque jour, sur Facebook, sur Twitter, Instagram. Mais ils n'utilisent pas ces plateformes pour faire des affaires. L'attitude, la façon d'aborder tout cela, que faire de ces populations, car c'est la composante la plus importante de tout ce monde des affaires. Que proposez-vous, que proposeriez-vous de faire concernant ces personnes, les individus? De mon côté, je pense qu'il est nécessaire d'investir davantage dans la formation des usagers concernant leur manière, la manière dont il serait possible d'utiliser ces plateformes numériques pour développer également leurs propres affaires. Ce serait essentiel, je pense. Et ensuite, faire de ces personnes une priorité. Fonder une recherche sur ces personnes. Demander ce que ces usagers veulent. Quelqu'un qui vend quelque chose sur Jumia, par exemple, ou achète quelque chose sur Jumia. J'aurais bien aimé que quelqu'un intervienne et nous dise quels sont les défis. Pourtant, les produits, il faut faire parler les personnes à qui sont destinés ces produits. Ce que vous pourrez noter en ce qui concerne les marchés, effectivement, on essaie de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Cela nous permet de résumer globalement l'ensemble des événements. Je voudrais profiter de ce que vous avez dit. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit en concernant l'état d'esprit. Je vous ai demandé ce que vous pensiez de votre côté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui sont très suivies sur les réseaux sociaux. Si je poste du contenu qui a trait au développement et à des opportunités de développement sur un continent où les jeunes recherchent des opportunités, eh bien je n'obtiendrai que très peu de feedback. Je prends un selfie avec un grand sourire. Et je fais un commentaire stupide. Quelle belle journée, ce que je m'amuse, jouons. Et je vais recevoir des milliers de réactions et de likes. Donc nous parlons d'impliquer ces gens. Ma question est oui, mais comment? Comment vous aider? Comment aider les gens si les gens ne sont pas prêts à s'aider eux-mêmes? Peut-être que c'est une question d'état d'esprit, peut-être que cela commence à l'école, mais c'est une discussion qu'il nous faut mettre en place. Il existe un fossé ici, il y a un vrai problème. Monsieur, vous levez la main depuis tout à l'heure, je vous vois. Je m'adresse à vous tout d'abord et ensuite madame de ce côté. J'essaierai de m'adresser ensuite aux personnes du fond. Je vous vois aussi. Nous arriverons. Bonjour. Voilà. Ok. Moi, je m'appelle Kopia Thierry Nathanael. Je viens du Burkina Faso. Et bon, avant de commencer, je voulais vous informer qu'aujourd'hui, le Burkina Faso célèbre son anniversaire d'indépendance. Si on pouvait faire un bas pour mon pays. Oh, congratulations! Pongera! Ok. Ma question s'adresse à M. Bichard. Concernant la plateforme qui généralise un peu les acteurs du e-commerce en Afrique. Moi, ma crainte, c'est que, est-ce que cette plateforme-là ne va pas être un écran pour les PME qui œuvrent dans le e-commerce? Parce que nous avons tendance à voir que dans ce genre de plateforme, ceux qui sont mis en évidence sont les grosses firmes qui sont dans le domaine du e-commerce parce que comme ils ont l'argent, ils peuvent quand même s'acheter les bons espaces, les grandes visibilités, les espaces publicitaires et mettre en arrière un peu les PME comme les nôtres. Voilà. Donc c'est ma crainte qui est un peu là comme ça. Et aussi, je voudrais apporter quelque chose concernant la confiance. Parce qu'on a parlé de la confiance au niveau de... avec la solution que monsieur a proposée, qui est l'identité numérique. Mais pourquoi ne pas penser à une certification africaine des sociétés qui œuvrent dans le domaine du e-commerce? Ça veut dire une certification dont ceux qui doivent avoir les étiquettes, je ne sais pas, les macarons, sont soumis à certaines réglementations. Et donc, quand ils vont respecter ces réglementations-là, ils pourront avoir peut-être
c'est pas trop une certification pour les permettre d'œuvrer dans ce domaine-là. Cela donnera encore plus de confiance si ces entreprises-là sont certifiées. Et aussi, ces certifications, nous avons tendance à voir aussi que les certifications, généralement, il faut vraiment avoir de l'argent pour obtenir ces certifications. Pourtant, cette certification, si elle arrive à prendre place, elle aura aussi un impact négatif sur les PME qui n'ont pas assez d'argent pour avoir. Puisque les certifications doivent seulement réunir certaines réglementations que les entreprises doivent... Ok. Donc, c'était un apport. Sinon, ma première question s'adresse à M. Bichard. Merci. Thank you. So, I just want to be clear. Should we have... Je voudrais être très... qu'on soit bien clair ici. Nous faudrait-il une certification ou non? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous en train de nous dire que cela pourrait avoir un impact négatif sur les PME parce qu'elles pourraient ne pas avoir la capacité à être certifiées parce que cela représente un coût important? Donc, vous dites qu'il y a des bons et des mauvais côtés à cette certification. Ça serait intéressant si elle était presque gratuite, mais que les PME doivent, réunir certaines règles, réglementations pour pouvoir avoir cette certification, c'est-à-dire la sécurité sur leur site web, aussi leur système logistique bien déposé. Voilà, et tous ces critères-là doivent être mis en place pour vraiment bénéficier de cette certification. Voilà. Bon, labellisation. Okay. Voilà. Okay. Thank you. Thank you very much. The lady. Yes. Okay. Thank you very much, but you will need your... Merci beaucoup. Je pense que vous aurez besoin de garder votre casque. Je vais essayer. Je me ferai mieux comprendre en français. Depuis hier, les discussions ont tourné sur le e-commerce, Mais la question, c'est qu'est-ce que l'Afrique va commercialiser sur le e-commerce? Qu'est-ce que nos pays africains vont commercialiser lorsque nous aurons déployé toutes ces infrastructures dont nous avons parlé? Lorsque nous aurons développé toutes les plateformes dont nous avons besoin, lorsque nous aurons renforcé les capacités des populations, des entrepreneurs et tout ça, qu'est-ce que nous allons commercialiser? Je voudrais attirer notre attention sur le fait qu'il faut que nous regardions, lorsque nous parlons du e-commerce, que nous regardions également à la production de l'Afrique, à la transformation des produits de l'Afrique, mais également à leur labellisation, à leur normalisation, pour permettre que ces produits-là puissent être commercialisés au-delà des frontières de nos différents pays, mais également au-delà des frontières africaines. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que nos investissements dans l'infrastructure, nos investissements dans ces plateformes, dans le renforcement de capacités et tout ce que nous aurons mis dessus ne fera que préparer l'Afrique, en fait, à consommer les produits qui viennent d'au-delà des frontières de l'Afrique. Je ne veux pas les citer, mais c'est que nous allons devenir encore un dépotoir. Nous serons habitués à acheter en ligne, mais à acheter les produits. Et là, on ne parlera pas de développement. Voilà mon point. Je suis Barkatou Sabiboun du ministère de l'économie numérique et de la communication du Bénin. Thank you. Maybe let me be clear. Merci beaucoup. Permettez-moi de préciser un peu les choses avant de poursuivre notre discussion. Nous parlons d'un marché africain. Pour un commerce africain et de produits africains, lorsque nous parlons de marché numérique africain, il y aura sans doute un stade où d'autres produits pourront entrer sur ce marché, mais pour le moment, si je comprends bien, nous nous concentrons sur l'Afrique. Je voudrais vraiment souligner, lorsque l'on s'intéresse à la question des marques, à la production, etc., il faut garder à l'esprit que nous ne parlons pas de faire du commerce de produits qui viennent de l'extérieur, parce que nous le faisons déjà, ça. Nous essayons de faire du commerce avec nos produits africains. Nous parlons bien de produits africains, effectivement, mais il nous faut nous concentrer sur la qualité de ces produits pour faire en sorte que l'Afrique consommera des produits africains. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. Permettez-moi ensuite de nous tourner vers ce côté de la salle. S'il vous plaît, ne partez pas du postulat qu'il n'existe pas déjà d'excellents produits africains. Ces piments qui viennent du Rwanda, nous le vendons au Nigeria, nous adorons ça. Il nous faut simplement ouvrir les yeux et découvrir d'excellents produits. Il ne faut pas partir de l'idée que nous n'avons pas. Cela existe, il nous en faut plus, bien évidemment. Je m'adresse à madame ici au premier rang et messieurs au fond, êtes-vous prêts? Tout à fait, je viens vers vous juste après. Messieurs en blanc. Madame, je vous en prie.
Je suis spécialiste, avocate spécialiste du commerce. Il faut protéger les inventions des start-up. Est-ce que la CEA suggérait qu'il faut délivrer des brevets dans l'ensemble des pays, même s'il y a certains pays membres qui sont des PMA? Il faut sans doute une période de transition avant de pouvoir délivrer des brevets. Il y a 9 pays africains qui n'ont même pas encore rejoint l'OMC. Même si nous savons que les brevets concernant les médicaments contre les VIH correspondent à des brevets très importants, il serait possible d'importer les versions génériques pour $67 par an. Donc l'idée que les personnes mouraient parce que des médicaments étaient brevetés, le rapporteur spécial à la santé a recommandé aux pays les moins avancés de faire usage, d'utiliser cette période de transition pour ne pas avoir de brevets tant que ces pays resteront des PMA. Ma question au représentant de l'OMC. Donc l'OMC dit que chacun devrait remonter les seuils, notamment les pays africains, $800 américains. Donc passer de $2 comme au Ghana à $800, ce serait absolument énorme. Donc beaucoup des revenus sont générés par des tarifs, les frais douaniers, les taxes douanières. En ce qui concerne les économies, 30% selon le FMI, 30% de revenus pourraient être perdus si on changeait ses frais douaniers. Par exemple, une perte de revenus à cause de cette augmentation des tarifs douaniers serait un problème. Cela pourrait impliquer une réduction des services publics, notamment. Cela serait peut-être l'une des raisons pour lesquelles le groupe africain à l'OMC a rejeté les négociations concernant les tarifs douaniers. Et vous pouvez voir les documents qui sont disponibles à l'entrée de la salle en français et en anglais. Oui, monsieur, je vous en prie. We can't hear. Please switch it on. I will speak in French. Je vais parler en français. Thank you. Donc, merci à tous. Je suis Wunteni Cyril Woba, promoteur de la plateforme Rigo Faso. The AU represented that in white, the glasses. Sorry, go ahead. Sorry. Okay. Donc, promoteur de la plateforme Rigo Faso au Burkina Faso. Juste pour dire que pour ce qui est de la promotion des produits spécifiquement africains, chez nous, quand même, c'est une réalité. Parce que nous avons pris le soin de faire l'exclusivité des produits burkinabés sur notre plateforme de e-commerce que nous avons mis en place depuis le début de l'année, qui ne vend que des produits locaux burkinabés transformés au Burkina Faso. Du reste, je porte un peu le Faso d'Anfani que vous connaissez peut-être. Et vous retrouverez essentiellement ces produits-là là-dessus. Cela dit, le véritable problème aujourd'hui pour le e-commerce dans nos États, spécifiquement pour l'avoir testé maintenant pendant une année, c'est le moyen de paiement. C'est clair, le taux de pénétration du téléphone est très élevé en Afrique. Pour ce qui est du paiement au niveau du Burkina, nous n'avons aucun problème. C'est-à-dire que nous avons deux opérateurs principaux qui sont Mobicash et Orange, qui nous permettent de faire des paiements par téléphone. Voilà. Ce n'est pas payé directement sur le site. En général, c'est payé à la livraison, un peu comme le modèle de Jumia, si vous voulez. C'est payé à la livraison. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que les produits que nous avons sur notre plateforme, ce sont des produits qui intéressent également la diaspora burkinabé à l'extérieur, que nous pouvons retrouver soit en Europe, soit aux États-Unis ou ailleurs. Par conséquent, l'autre problème, maintenant j'en viens effectivement au problème que je vais demander, pour lequel je vais vous demander de voir comment est-ce qu'on peut le résoudre. Lorsque vous allez sur notre plateforme, au niveau de l'administration de notre plateforme, nous ne pouvons pas intégrer de compte africain, un compte bancaire africain pour ce qui est des opérateurs de paiement comme PayPal, qui est très bien connu par les Américains, très bien connu par les Européens, qui l'utilisent parfaitement. Alors, quand vous essayez de configurer un compte bancaire PayPal pour recevoir des paiements sur ce compte, c'est quasiment impossible, ça refuse, ça clash. Okay. Nous avons un sérieux problème à ce niveau parce que ça fait un manque à gagner. Je ne parle même pas de vendre aux Européens, mais vendre même à notre diaspora en Europe ou aux États-Unis.
Alors ma question est de savoir aujourd'hui, puisque nous parlons de e-commerce pour les produits africains, on peut les vendre entre nous au niveau État, mais il faudra déjà qu'on puisse partir d'un État à un autre, mais effectivement d'un continent à un autre. Est-ce que ici, dans la salle, est-ce que nous avons une solution pour résoudre le problème avec les grands opérateurs de paiement tels que PayPal et autres? Est-ce que nous avons une solution concrète? S'il y en a, qu'on nous les propose pour que nous, opérateurs de e-commerce africains, nous puissions l'intégrer. Thank you for that. I think gentlemen from the AU. Yes, go ahead. Thank you, Madame Modere. Merci, Monsieur Fondassal. Alors, merci, Madame la modératrice. Je représente la commission de l'Union africaine à cette réunion. Je ne vais pas répondre immédiatement aux représentants du Burkina Faso, mais j'aimerais faire un commentaire concernant la présentation de M. Lambert. Je continuerai en français. Monsieur le directeur général de l'UPU a beaucoup insisté sur appeler au partenariat pour que le projet ICOM qu'il conduit puisse aider valablement les postes et les pays africains à tirer profit du commerce électronique. Je pense qu'il a peut-être oublié que l'Union africaine est partie prenante à l'initiative qu'il a si bien présentée. J'en veux pour preuve le fait que les ministres en charge du développement des infrastructures qui sont essentielles à l'essor du commerce électronique ont déjà approuvé un projet visant à améliorer la connectivité des bureaux de poste dans tous les pays. Et nombre de pays africains se sont engagés dans une phase pilote qui devrait donc conduire à ces pays-là à améliorer l'infrastructure postale sur l'ensemble de leur territoire. Dans la même perspective, je voudrais annoncer aux éminents participants ici présents que l'Union africaine, à la suite de cette réunion, souhaite organiser en fin février 2019 un forum qui va réunir nombre des acteurs ici présents, mais pour se focaliser sur comment les postes africaines peuvent contribuer efficacement à l'essor, au développement harmonieux du commerce électronique. Excellent. Voilà le commentaire que je voulais faire et je vous remercie. Merci. Thank you very much for that. Merci beaucoup de votre intervention. Nous revenons vers nos panélistes. Nous touchons à la fin de nos discussions. Anna, je vais peut-être commencer avec vous. On vous a posé un certain nombre de questions personnellement. Comment gérer la question des seuils minimaux? Et pour ceux qui ne sont pas familiers, de quoi s'agit-il? Et présentez-nous, s'il vous plaît, votre opinion concernant ce point. Il y avait deux questions qui portaient sur cette question des seuils minimaux. Je vais essayer d'y répondre en même temps. Merci beaucoup de vos questions, donc. La question des seuils minimaux, c'est un concept donc qui est repris dans la convention de Kyoto révisée de l'Union douanière internationale. Et les gouvernements définissent un seuil qui permet d'analyser le coût que représente la collecte de fonds, de l'argent. Quel est le point de basculement? Par exemple, on récolte 20 dollars, mais cela coûte 25 dollars de récupérer ces 20 dollars. Eh bien, cela n'a aucun sens de dépenser ces 25 dollars pour en collecter 20. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Et donc, les gouvernements, nous demandons au gouvernement d'analyser ce que cela leur coûte, de traiter cette collecte d'argent. Et nous définissons des seuils qui leur permet de dire ce n'est pas rentable pour nous de récolter cet argent, donc tout ce qui est en dessous de ce seuil rentre sans taxes, sans paiement de droits, sans formalité douanière. Donc ce seuil constitue un seuil qui permet de faire entrer des marchandises librement dans le pays. C'est quelque chose qui n'est pas rentable, en dessous de ce seuil, donc pas rentable de collecter ces sommes. Cela sonne très simple. Les calculs doivent être faits pays par pays.
Donc le coût au Nigeria, au Kenya, au Ouganda, au Ghana ne sera pas le même. Donc chaque pays doit procéder à une évaluation économique pour déterminer quel est ce point de basculement. Pour évoquer la question soulevée par Sonia, pourquoi les États-Unis d'Amérique définissent ce seuil à hauteur de 800 $ et pourquoi essayent-ils de forcer les autres pays à relever leur seuil minimal? Je ne parle pas pour les États-Unis, évidemment, mais il me faut être extrêmement clair concernant un point. La situation aux États-Unis est bien différente de à peu près n'importe quel pays du monde. Pour quelle raison? Parce que les États-Unis, par exemple en ce qui concerne la TVA, elle n'est pas prélevée sur ce qui est importé. L'évaluation pour d'un point de vue fiscal est faite sur ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis. Donc les prélèvements fiscaux, par exemple celle de la TVA, ne sont pas appliqués à ce stade. Donc ce que calculent les États-Unis, c'est dans cette évaluation, c'est uniquement ce point de bascule. C'est la question des frais d'import, des taxes douanières. Donc quand il y a beaucoup, au cours des trois dernières décennies, les États-Unis ont progressé vers une détarification, la réduction de ces frais douaniers. Cela implique donc beaucoup de qu'il y ait une grande valeur pour atteindre ce seuil de bascule. Tout ce qu'ils calculent, c'est les conséquences en matière de frais douaniers. Et ces frais sont relativement bas aux États-Unis, à cause des accords de libre-échange donc qui existent avec de nombreux pays. Donc la situation est très différente de ce que connaissent la plupart des autres pays du monde. Nous voyons un processus plus ou moins inverse dans le reste du monde. Par exemple, l'Union européenne, tout récemment, a annoncé qu'elle allait maintenir ce seuil minimum à 22 €, me semble-t-il. Pour la TVA, le seuil est de 0. Ce qui veut dire que tout ce qui rentre en Europe sera soumis à la TVA. Nous voyons d'autres pays comme l'Australie, d'autres également, qui ont connu une grande rupture, une grande modification dans leur pratique commerciale. Beaucoup d'entreprises maintenant, en ce qui concerne leur importation, notamment via l'e-commerce, sont faites via l'e-commerce pour pouvoir rester en dessous de ces seuils minimums. Et ce qui se fait pour... Et cela entraîne des... constitue un inconvénient pour ceux qui font du commerce au niveau national. Il faut inclure ces taxes, ces frais. Alors que si l'on commence à l'étranger, si on les importe directement, cela peut être moins cher. Ce qui veut dire qu'on ne va plus acheter ce qui se fait au niveau local ou national. Voilà donc une partie des défis auxquels sont confrontés une partie des pays. Et il faut en tenir compte au moment où l'on réfléchit à ces seuils minimums. C'est quelque chose de très technique pour une partie d'entre nous. Nous apprenons grâce à vous. Que pourriez-vous conseiller à l'Afrique, très brièvement, au moment où nous intéressons à ce marché numérique unique, en ce qui concerne ces seuils minimaux, donc? Je pense qu'il faut tout d'abord se livrer à une évaluation économique, en prenant en compte tous les coûts potentiellement associés à la levée de taxes. Il faudra bien sûr également que chaque pays fasse sa part et que chaque pays indique combien cela lui coûtera. Comme l'a dit M. Hossein, il y a des taux différents au niveau des populations du monde. Il y a eu beaucoup d'évaluations économiques. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont permis de faire ces calculs. On a pris tous les coûts du monde entier.
Mais ici, il faut que chacun, chaque pays détermine ses coûts. Donc il faudra que cela soit vraiment au cas par cas. Vous avez parlé de la zone de libre-échange continentale. Bien sûr, je ne suis pas vraiment en mesure de vous en discuter, mais je pense qu'il serait très intéressant d'en discuter pour l'Afrique. Merci, merci beaucoup. Peut-être que vous allez pouvoir nous dire ce que cela représente pour la zone de libre-échange continentale, mais il y avait d'autres questions également, par exemple pour l'OMC, pour le programme de développement. C'est une question qui vous a été posée. Et puis, une autre question a été posée sur les brevets. Les pays africains qui pourraient accorder des brevets. Qu'en pensez-vous? The question from Sonia. I would like to start by saying that the integration... Pour commencer, pour ce qui concerne le programme d'intégration en Afrique, il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose qui ne sera pas compatible avec le programme de commerce ou d'échanges commerciaux internationaux. Voilà pour ma première remarque. Deuxième remarque, j'ai parlé du séquençage. J'ai parlé de l'adoption de politiques stratégiques. J'ai parlé de politiques à adopter pour réussir par rapport à tous les engagements souscrits. Vous êtes bien sûr tous des membres de la communauté internationale. Beaucoup de pays africains sont membres de l'OMC et membres d'autres institutions internationales. Cela étant dit, que va faire la zone de libre-échange continentale? L'objectif de cette zone de libre-échange, c'est d'harmoniser les cadres politiques dans différents domaines. Une fois que vous aurez par exemple un protocole sur les droits de propriété intellectuelle, il s'agira d'un protocole qui permettra de savoir à l'échelle du continent ce qui est vraiment innovant. Quelles sont les inventions africaines? Moi, j'ai une bonne anecdote à vous relater. Je suis kényan, donc j'ai suivi de près tout ce qui s'est fait pour M-Pesa. M-Pesa a vu le jour au moment de l'explosion d'Amazon, d'Alibaba et d'autres systèmes de ce genre. La première chose qui vient à l'esprit, c'est: combien de projets tels que celui d'M-Pesa ne sont pas devenus des projets nationaux, régionaux ou internationaux? L'idée, ce sera d'utiliser le protocole sur la propriété intellectuelle pour trouver des solutions pour renforcer les possibilités d'innovation pour l'Afrique, pour que tous les acteurs qui peuvent faire preuve d'innovation en Afrique puissent le faire. Voilà l'idée de ces protocoles, protocoles sur la propriété intellectuelle, sur les politiques de concurrence, etc., etc. Nous savons qu'il y a tout un programme sur la facilitation des échanges à l'OMC, mais là, nous parlons du continent. Nous devons voir les choses sous l'angle africain. Tant pour l'approche de développement que pour la création de la zone de libre-échange. Il faut que nous soyons prêts à harmoniser nos politiques, harmoniser notre façon d'aborder les politiques ou de concevoir des politiques. Ce sera un point de départ. J'en viens à la deuxième question. Oui, une question avait été posée par rapport aux brevets. Oui, en fait là j'ai essayé de répondre à la question sur les brevets à l'instant. Peut-être que je pourrais également vous dire que lorsque l'on parle de transformation, de changement à l'échelle du continent, nous savons que le changement dépend également de l'innovation. Si nous voulons industrialiser, nous devons faire preuve d'innovation. Et nous devons également réfléchir à la question de la protection de l'innovation.
si nous ne parvenons pas à protéger l'innovation, nous ne pourrons pas industrialiser. Voilà autant de domaines qui font l'objet de réflexions au niveau de la création de la zone de libre-échange. Il faudra également réfléchir à ce qui va être échangé au niveau commercial. Par exemple, au Kenya, on produit du thé. En Ouganda également. Au Ghana, on produit du cacao. En Angola, au Nigeria, du pétrole. En fait, il y a plusieurs pays qui produisent les mêmes choses. Alors, comment est-ce que vous allez renforcer les échanges commerciaux en Afrique si différents pays produisent la même chose? On a parlé des chaînes de valeur internationales. On sait que certaines choses que l'on produit localement peuvent être... peuvent bénéficier d'une marque de fabrique et peuvent avoir davantage de valeur sur les chaînes de valeur. Donc, la propriété intellectuelle est là pour cela aussi. C'est pour essayer d'optimiser les contributions intermédiaires pour créer des chaînes de valeur régionales. On a parlé des différents segments de la chaîne de valeur. On sait qu'il est possible de franchir certains segments de façon accélérée. Merci, merci beaucoup pour vos réponses. En tant qu'Africaine, j'ai un peu une sensation de répression, de mesures de sanctions qui sont appliquées, qui font que l'on n'ose pas, par exemple, demander de brevets ou accorder de brevets. Peut-être que au niveau du continent, il faudrait voir ce qu'il est possible de faire à ce sujet. Oui, oui, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Tout d'abord, il faut savoir ce que coûte l'octroi d'une licence, d'un brevet. Ça représente vraiment beaucoup d'argent. Si vous voulez enregistrer un brevet au niveau international, c'est vraiment très onéreux. Il faut travailler avec des avocats, des juristes, et on sait où ils sont basés, n'est-ce pas? Oui, oui, il faut quelqu'un vous aide à vous enregistrer, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, au Japon, etc. L'Union africaine et ses membres peuvent fort bien avoir une idée ou essayer de penser à quelque chose pour faciliter la tâche aux personnes qui souhaitent obtenir des brevets ou qui souhaitent protéger leurs marchandises, leurs services, etc. Peut-être qu'on pourrait trouver le moyen de réduire les coûts. Réduire les coûts de façon ciblée, puis à l'échelle du continent. Oui, la réflexion... On y réfléchira également, bien sûr, dans le cadre de la zone de libre-échange. Très bien. Très bien, oui, j'imagine bien que c'est ainsi qu'il faut procéder. Il faut que l'Afrique ait cette possibilité pour que rien ne lui soit enlevé. Je vois que vous acquiescez. Je repense maintenant à un commentaire très intéressant qui a été fait dans la salle. On nous a demandé si l'on avait pu bénéficier de toutes les possibilités qui se présentaient au niveau national avant d'envisager d'en profiter au niveau international. Qu'en pensez-vous? Je vais essayer de répondre à votre question et puis je répondrai à ce qui a été dit par le Burkina Faso. Alors, je vais commencer par parler de ce qui a été dit par rapport à PayPal. On a des acteurs vraiment importants, des systèmes de paiement qui sont des géants sur le marché. On a mentionné PayPal. PayPal, c'est une entreprise, bien sûr. Les calculs ont été faits et il a été décidé. Bon, PayPal, c'est au Togo, mais pas forcément dans d'autres pays. Ça, c'est intéressant. Il y a différents calculs qui sont faits, on prend en compte différents facteurs internes, on voit s'il est intéressant d'aller sur tel ou tel marché, ou s'il est trop risqué d'aller sur tel autre marché. Bref. Donc il y a des acteurs high-tech sur le marché, en Afrique en particulier, mais les plus gros marchés sont toujours les premiers ciblés. Voilà pourquoi j'avais parlé de déréglementer, des réglementations. Voilà pourquoi j'avais parlé de l'espace des paiements. L'espace des paiements et intégration de ces pénétrations, de ces marchés, car c'est vraiment important pour moi. On parle ici des 5 premiers, des 10 premiers pays concernés.
On sait qu'il y a de gros acteurs présents sur le marché. On sait que on a commencé par exemple par le Nigeria, avant d'aller au Ghana, etc. Bon, il y a une plateforme d'apprentissage en ligne qui a été mise en place il y a quelques semaines. Ça m'a pris 10 minutes pour me connecter à mon compte en banque. Et je pense que c'est ce qui devrait se produire à l'échelle du continent. Bon, il y a des solutions francophones, Cash App. Mais bon, les gens ont tendance à prendre leur temps. Je n'ai pas de solution à vous donner pour l'instant, mais je pense qu'il faut voir les choses dans un contexte politique plus large. Il faudrait faciliter les flux financiers, les échanges d'argent, avec une connexion plus rapide. Le problème également, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments locaux dans tous ces projets. Il y a de bons projets, un bon travail a été effectué au cours des dernières années. Il y a vraiment eu de bonnes choses pour les facilités d'échange d'argent. Mais, bon, je sais qu'à Lagos, ça a été le cas. Bon, ça représente 1,5 million au cours des trois dernières années, donc ça ne représente pas non plus beaucoup d'argent. Merci. Merci, merci beaucoup. On peut parler du fait de bénéficier du potentiel de son propre marché avant de passer à l'international. Est-ce que l'on est peut-être trop ambitieux? Est-ce que l'on ne devrait pas se contenter ou se concentrer sur le local? Qu'en pensez-vous? Il faut penser... Il faut penser à ce que font les entreprises au niveau local. On a parlé d'inclusivité, d'inclusion. On a parlé de pénétrer les marchés locaux. Effectivement, c'est important. Par exemple, si vous êtes au Nigeria, si vous êtes au Ghana, vous allez cibler 3 ou 4 villes. Vous aurez Accra, Yokomase, Ouattara, pour essayer de maximiser vos profits dès le départ. Ensuite, vous aspirez à une certaine croissance. Vous n'allez pas forcément maximiser vos bénéfices dès le début, mais vous allez le faire progressivement. Et tout dépend bien sûr des conditions locales, des infrastructures notamment. Oui, je comprends bien votre problème. Merci, merci. Je donne la parole à Hossein maintenant. Une question vous a été posée par le Burkina Faso. On a parlé des grandes entreprises qui risquaient de dépasser les PME, d'aller prendre les parts de marché aux PME. On a parlé également de systèmes de certification, d'homologation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Olé. Well, the first one, please. Yes, so the first one, he was saying that this platform that you have... Il vous a été dit... que le risque c'est que de grandes entreprises prennent la part du lion en quelque sorte et empêchent les petites entreprises de bénéficier du système. Mais bien sûr, moi j'ai compris que ces plateformes concerneraient tout le monde, devraient être bénéfiques pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Lorsque vous êtes enregistré auprès d'un bureau de poste, si vous pourrez bénéficier de cette plateforme, vous serez identifié au départ, vous devrez signer un accord de confidentialité. Bon, c'est dommage que mes experts techniques ne soient pas à mes côtés, mais une fois que vous serez enregistré officiellement, bon, qu'il s'agisse d'un acteur important ou d'une petite entreprise, oui, peu importe la taille de votre entreprise. Premièrement, vous êtes enregistré. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce que vous disiez? Ah oui, oui, excusez-moi. Deuxième question, c'était l'homologation, la certification africaine. Oui. Eh bien, je ne pense pas que cela pose problème au niveau des postes. Une fois que vous avez expédié vos marchandises, nous savons où elles doivent être acheminées, nous avons une adresse, nous avons la visibilité nécessaire. Nous sommes en contact avec une autre administration postale avec laquelle nous avons signé un accord.
Donc il n'y a aucun problème. Tout se fait de façon tout à fait sécurisée. Il n'y a pas de certification individuelle pour se faire. Merci, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers ma droite. Daniel, des commentaires très intéressants ont été faits par rapport à l'attitude, à l'état d'esprit, au fait qu'il fallait mieux comprendre ce qu'était le numérique pour profiter du développement numérique et de la mise en place de plateformes numériques. Très intéressant également ce qui existe d'ores et déjà, et ce que nous a dit la dame devant moi, la qualité des produits, la productivité, la qualité, les marques de fabrique, etc. Oui, cette question était vraiment très pertinente. On parle ici de commerce électronique, mais que voulons-nous vendre? Voilà la question, c'est évident. Vous voulez vendre quelque chose? Est-ce que ce quelque chose va être rentable? Vous avez parlé de cacao, par exemple. Bon, ça représente des milliards de dollars. 6 milliards de dollars sont versés aux agriculteurs, mais le reste disparaît. Il faudrait donc parvenir à un meilleur équilibre grâce au commerce électronique. Sinon, on risque de louper toutes ces occasions et ne pas bénéficier du commerce électronique comme il se devrait. On a besoin de contributions de tous. On a besoin de crédit, on a besoin d'acheter, de vendre, on a besoin de solutions financières. On a besoin d'accès au crédit. On a besoin de services, de logistique. On a besoin de tout cela pour faciliter au maximum les transactions grâce au commerce électronique. Le commerce électronique devra nous permettre de renforcer toutes ces activités. Et au final, bien sûr, il faut penser également aux consommateurs. Les consommateurs doivent avoir confiance dans le système. Voilà pourquoi j'ai parlé précédemment d'honorabilité. Il faut produire des articles de bonne qualité. Il faut bien sûr que les artisans soient bien payés, bien rémunérés, pour des objets de qualité. Il faut réfléchir à la répartition des revenus, parce que pour l'instant, cette répartition est inacceptable. Oui, vous savez que ceux qui vendent les produits aux clients sont les personnes qui sont en contact avec les clients. Mais vous savez également que l'argent n'arrive pas suffisamment en Afrique, il part ailleurs. Il faut donc investir dans le renforcement de nos capacités. Il faut investir dans nos capacités de transformation, capacités de traitement des produits et des matières brutes. Par exemple, si on se contente de produire des fèves de cacao, si l'on n'arrive jamais aux barres de chocolat, eh bien, ça ne sert à rien. Oui, il faut produire du chocolat de qualité. Et cela implique, bien sûr, de renforcer la logistique sur le marché. Et comme l'a dit monsieur du Burkina Faso, il faut intervenir également sur le segment financier. Sinon, PayPal ne viendra jamais s'installer au Burkina Faso. Ce ne sera jamais un marché attirant pour PayPal. Donc c'est une occasion à saisir, mais j'ai bien peur que l'on ne saisisse pas cette occasion si l'on ne parle ici que de technologie. Il faut absolument voir le commerce électronique en parallèle de toutes les économies traditionnelles. On pourrait peut-être parler de phygital. Donc aller un petit peu au-delà de l'ère numérique. Parler d'investissement physique concret à faire. Parler de dépôts, d'entrepôts. Pour que, au final, le commerce africain soit bénéfique pour tous. What is about honorability? Merci beaucoup. Daniel nous a parlé d'honorabilité.
Daniel vient d'inventer l'adjectif figital, donc physique et digital, physique et numérique, finumique. Claire, nous allons clore la séance. Quelles sont vos dernières remarques? J'aimerais, sur ce que vous avez dit, and take it even further. We have talked a lot about... même aller plus loin que vous. On a parlé de commerce électronique, on parle de marchandises physiques, mais qu'en est-il des services? Services, je pense à Uber par exemple. Je sais que dans beaucoup de pays, c'est déjà une réalité. Je pense à Airbnb pour les pays africains. Il y a énormément d'opportunités en matière de services. En plus, bien sûr, pas à la place du commerce des marchandises, mais en plus. Je pense que c'est une autre. Il s'agit d'autres opportunités à saisir en Afrique. Bon, et comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas uniquement de technologie, non, loin de là. Il faut penser à une transformation numérique. Il faut penser au changement que cela implique pour la société tout entière. Il ne s'agit pas de façon différente de vendre des marchandises ou des services, non. Il s'agit d'établir de nouvelles relations entre clients et vendeurs. Il s'agit d'établir de nouveaux liens entre gouvernement et citoyens. Excusez-moi, on emploie encore et encore ce même terme de transformation, de changement, mais c'est un terme pertinent ici. Il s'agit de changer les choses, d'aller bien au-delà de ce que l'on fait actuellement. Il s'agit de voir les choses complètement différemment. Il s'agit de nos relations entre citoyens, il s'agit de la façon dont nous traitons avec les autres en général. Merci. Merci, merci beaucoup. Nous venons de participer à une séance de 3 heures. Nous pouvons nous applaudir les panélistes. Est-ce que vous avez moins de 25 ans? Non, pas tout à fait. Non, mais je représente tous les jeunes. Alors, un dernier commentaire, hein, allez-y. On parle de santé mentale, on parle de jeunes, on parle des femmes qui s'occupent des jeunes enfants qui ont des problèmes mentaux, notamment des jeunes enfants autistes. Peut-être que le secteur de la santé mentale pourra changer lui aussi, mais je sais qu'il n'a pas la priorité pour l'instant en Afrique. Mon organisation, qui s'appelle Beautiful Minds, essaie de trouver des solutions, notamment pour les femmes, les personnes qui s'occupent de personnes déficientes mentales et qui ont beaucoup de difficultés. Est-ce que vous avez des solutions? Eh bien, si vous avez envie d'établir des partenariats pour tout ce qui concerne la santé mentale ou pour les mères qui s'occupent d'enfants autistes, n'hésitez pas à contacter la dame qui vient de parler. Merci, voilà, vous êtes proactive, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire entendre votre voix. Applaudissons notre panel. Mesdames et messieurs, vous pouvez également vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir puisque vous avez participé à cette séance de 3 heures. Vos contributions ont été vraiment très pertinentes. Merci beaucoup. Hussein dit que l'on doit également m'applaudir. Ah, only because he said... ladies and gentlemen, as we close, one thing we did not really discuss was the importance of communication. Et nous avons oublié de discuter de l'importance de la communication des médias.